Thanks for listening to Radio radiopirate.com Radio bam, 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 bam. bam bam yes Ok, et hey bon euh, jeudi. Hey, on lance la fin de semaine avec l'aubergiste tantôt. Hein, Parle-moi de tout ça, toi. Parle-moi de tout ça. Quelle couleur, euh, l'aubergiste? Va nous présenter, euh, Jerry Pids? On est. Euh, on, on, on est dans le rouge, puis euh, c'est un vin pas cher. Tu sais, il euh, y a des. Euh, la SAQ a une espèce de bout de tablette qui appelle ça les vins, je sais pas trop, sais pour moi, ils appellent. Là. Euh, puis il en fait partie des vins pas chers. Il y en a encore les vins pas chers à SQ. Lui, il en fait partie euh... Qu'est-ce que ça veut dire maintenant un vin pas cher avant un vin pas cher on disait 10 pièces. Un vin pas cher c'est en beau. Un vin pas cher c'est en... 14 et moins. C'est ça. Hein? Je partais pour te dire aujourd'hui ça doit être 15 et moins. C'est ça. Donc c'est 14 et moins. Ça existe encore. Ils ont des bouteilles à 9, 10 pièces, 11 pièces, 12 pièces. Il y en a, il y a une gamme là pas pire. L'aubergiste va vous parler d'un vin à 13. 13 dollars. Okay. Correct. Euh, bon, euh, le vin est vraiment de l'allure, pour vrai. Là. Hey, euh, juste vous dire que euh, pour certaines régions, euh, l'hiver n'est pas terminé. On sait que. Mais d'abord, demain, c'est 17-17. Donc, 17 mars, 17e anniversaire de Radio Pirate demain. Oui. Donc, euh, demain, euh, 23e anniversaire de. de, de de couple entre moi et ex-Madame Poubelle, devenue Madame Liberté. Donc, euh, je tiens à saluer quand même, 23 ans, c'est quand même quelque chose dans le monde d'aujourd'hui. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, on avait donc le 17e anniversaire demain, de, 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 donc le 17, c'est la fête des Irlandais aussi. Donc, on a des Irlandais, je tiens à saluer. Beaucoup de gens se disent Irlandais. Mais je sais que dans les Pirates, nous avons des vrais de vrais Irlandais. Donc, oui. entre autres, Jason avec qui j'ai parlé encore hier, qui va aller travailler sur mon terrain cette semaine pour aller bûcher du bois un peu. Donc, les, les donnes de, de la région de Québec dans le coin de Tewksbury-Stoneham, des les vrais de vrais Irlandais. Donc, les vrais de vrais. Bonne fête demain. Mais malheureusement, vous nous amenez toujours un peu de neige pour la tempête de la Sainte-Pâte. Donc euh, il y a un 10 cm demain à Québec. Par contre Montréal, c'est 10 mm donc vous voyez le 1 degré peut faire une différence donc 10 cm versus 10 mm euh, c'est la différence de température qui fait ça. Et juste vous dire que le CA Québec malgré le réchauffement climatique, malgré les taxes, malgré tout ce qu'on vous dit qui arrive avec le climat, vous dit que finalement la date du 16 mars pour changer ses pneus d'hiver. C'est pas la bonne date. OK. Non. Mais, mais pourtant, il n'y avait plus d'hiver. Je sais, mais ils sont durs à suivre demain. Si tu veux, je te dis. Mais la date, quoi, euh, <laughs> la date officielle, c'était le 16 mars? <laughs> c'est le 16. Il y avait une date officielle, c'est ça? Oui, okay. Oui, c'est une date, où date officielle. Peux, où est-ce que... que tu peux enlever tes pneus d'hiver? Ah oui? Il y a une tempête demain. Ben, ce n'est pas une tempête. Là. Ben ce n'est pas une tempête, mais on sait qu'on a de la neige. T'sais, ce que CA Québec dit, c'est qu'à partir du 16 de mars... Au Québec, on est maintenant rendu avec des tempêtes un mois dépassé le 16. Donc, euh, vous savez qu'on a déjà eu une tempête au mois de mai. Donc, n'oubliez pas ça. Il n'y a pas longtemps, c'est arrivé il y, a, il y a, Je pense il y a deux ans ou trois ans. On a eu, je pense que ça c'est 2020. On était en pleine COVID. On a eu une tempête. Euh, une tempête de, du mois de mai, ce qui est très rare. Euh, si je me. Il y en a qui pensent que je, Il y en a qui pensent que je, je dis n'importe quoi. Là. Un peu. Je suis sûr qu'on a eu une tempête. Euh, mois de mai. Tempête de neige. Je fais ça sur mon téléphone pendant que je vous parle. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne me croient pas. Là. Euh, tempête de neige. C'est. Euh... je l'avais vu il y a un peu. Non, pas de juillet. On a eu quoi? C'est le 8 mai 2020. Ah! Je l'ai trouvé. 8 mai 2020. Euh, on a eu une tempête de neige au Québec. Mais assurer qu'on a toujours des petites tempêtes début avril. Avant on ne avait pas. Avant on ne avait pas. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Maintenant, c'est devenu mmh. quasiment un classique, une à deux fois en avril maintenant, de des petites. Peut-être moins à Montréal, peut-être moins en Outaouais, euh, certainement pas en Estrie, mais dans plusieurs régions du Québec, euh, ça arrive. La Beauce ça arrive. L'Alberta, on doit saluer les Albertins qui sont avec nous autres. L'Alberta a régulièrement des tempêtes de neige au mois de mai, euh, au mois d'avril, et même des fois au début mai. Donc, eux autres aussi, ça leur arrive. Donc, les pirates de l'Ouest canadien, vous avez eu un, un hiver d'enfer. On vous salue. En passant, Lake Tao. Statistiques officielles, jusqu'à maintenant, avec la neige qui est tombée, la côte ouest a eu euh, un hiver d'enfer. 50 pieds de neige de tombée. Donc, 50 pieds de neige de tombée, Lake Tahoe, dans les montagnes euh, de, de la sens. Californie. On est est rendu à 50 pieds de neige. Pensez à ça, là. 50 pieds. Une neige tout le temps. Ils ont des grosses bordées, mais entre les grosses bordées, ils ont, des... ils ont plein de petites bordées. Là, en gros. moyenne, ils ont eu 4 pieds de neige par semaine. <laughs> pense oh. à ça, là. Et ça arrête pas, hein? Non, ça arrête pas en tout. Bon, euh, bon, 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 bon. De quoi on vous jase aujourd'hui? Euh, tout ça d'affaires, il, il, il y a bien des sujets aujourd'hui. Euh, un des sujets sur lequel on a passé beaucoup de temps sur Radio Pirate Prime pour les gens qui sont membres de Radio Pirate, vous pouvez devenir sur Radiopirate.com. On a passé beaucoup de temps sur, euh, je vous dirais. Euh, ben, c'est un tweet. En fait, c'est plusieurs tweets d'une chroniqueuse qui a complètement disparu de la map. Je vais vous avoue que j'ai été un peu surpris de la voir disparaître. C'est Geneviève Peterson, parce que je pense qu'elle avait trouvé un moyen de, de toucher, pas dans le bon sens. D'autres, on ne la trouvait pas toujours fine. Là. Mais euh, le but, souvent, quand tu des communications, c'est d'avoir un peu d'attrait. Et euh, elle en avait, donc elle faisait de la TV à LCN, elle faisait des chroniques dans le Journal de Montréal. Elle était sur notre dos. Elle a d'ailleurs déjà attaqué notre chum Joamel. Ce C'est pas ma préférée. J'ai déjà parlé avec elle en dehors des en dehors des ondes puis en message privé. On n'est pas des on est pas des amis ben ben. Sauf que je suis capable de voir que quand quelqu'un a de l'attrait, même si est dans l'autre gang, j'ai pas de problème avec ça. Mais le, le problème que j'ai avec l'autre gang, c'est que euh, ils défendent l'indéfendable depuis des années. Ils défendent le modèle qui est rendu en bout de vie, qui est complètement fini. Et quand euh, nous, on essaie de changer les choses pour vivre dans un monde meilleur, ils nous accusent de tous les maux, ils nous étiquettent. Donc, eux autres, c'est ça l'histoire, c'est qu'ils défendent quelque chose qui est complètement. Euh, ben, en fait, c'est ce que je disais, qui n'est pas défendable. Et ils réussissent à nous faire passer pour les méchants de la gang. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas si c'est le nombre, je ne sais pas si c'est le fait qu'ils sont sur. Des gros vieux médias rendus euh, euh, en bout de vie. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont une technique de faire passer le monde comme nous, qui veut améliorer le monde dans lequel on est, qui veut avoir des services. Ben, on paye pour des services, on paye pour 100$, on en reçoit pour 2$. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent Hey, 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 tu me vends quelque chose 100$, donne-moi-en pour 100$. Là. Je ne peux pas m'en donner pour 2$. Donc euh, on, on est pas, on passe pour les bad guys donc on passe pour les gens pas fins c'est ouais, vrai que c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre c'est mais tantôt euh, oui c'est ça ouais, quand quand tu... donc quand là on, vrai, je... on, a, euh, madame, euh, on a madame on a madame Peterson qui a fait une série de tweets dans les 24 dernières heures ou à peu près puis euh, je dois le dire je l'ai dit sur Radio Pirate Prime je veux le redire ok ce n'est pas parce que quelqu'un est un adversaire idéologique et que cette personne-là me déteste au point de nous attaquer à tout bout de champ comme ils l'ont fait pendant la COVID. Euh, j'ai un côté plus mature que ça et j'ai surtout un côté humain qui est beaucoup plus gros que ça. J'ai aucun, aucun plaisir à voir des gens qui souffrent, que ce soit eux, leurs enfants, et j'ai aucun plaisir avoir des gens qui se font traiter comme des moins que rien dans un système qui est rendu... Ben c'est un système qui n'a pas de cœur. C'est un système qui n'a carrément pas de cœur. Le système de santé, OK? Donc, Mme Peterson, je ne sais pas où elle est rendue. Elle n'est plus à Québec oh, puis elle a pris son Twitter parce que c'est le seul moyen peut-être qu'elle a de nous parler maintenant. Euh, et elle s'est plaint du système de santé. Elle s'est Je ne sais pas si tu as les tweets devant toi, Jerry, mais il y a une série de tweets où elle nous parle de sa fille... Qui s'est faite, ben, en fait, pas traiter du tout. Ils l'ont laissé, euh, laissé dépérir dans, dans le couloir. Elle a été obligée de coucher par terre. Elle était là pendant 28 heures de temps. Ça a été, un, ça a été une, une, une expérience catastrophique. Elle n'a pas voulu euh, planter le personnel. Elle n'a pas voulu parler de l'hôpital en question. Non, elle n'a mais... pas, pas nommé l'hôpital. Elle n'a pas nommé l'hôpital. Mais peu importe où, on sait que ces genres genre de choses qui arrivent trop souvent. Puis on entend. Et je sais qu'il y a des gens qui lui ont répondu, mais on doit garder un certain côté euh, on doit être humaniste, là, on doit, on doit on, les humains, peu importe, peu importe dans quel clan vous êtes, en bout de ligne, on est tous de la même gang, on est, tous, on est tous le même monde. Et on est dans, une, dans notre société, puis on veut, on, veut, on, veut, euh, on, on veut le bien pour tout le monde, incluant les gens avec qui on n'est pas amis, incluant les gens avec qui, des fois, on peut se frotter un peu. Moi, ça m'a fait de quoi? Euh, C'est pas mon ami. Mais ça m'a fait de quoi? Et, et j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre pourquoi ces gens-là continuent de défendre ce modèle-là, continuent de défendre le gros gouvernement qui vous prend tout l'argent qu'il peut prendre dans vos... Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens de Montréal, encore aujourd'hui, première page, je euh, suis une page, je ne sais pas comment ça marche leur affaire, je pense que c'est juste un site web, mais anyway. oui. Il y a euh, le journal La Presse, la grosse nouvelle du jour c'est que, que Montréal aura besoin de taxer plus. Ils sont à la recherche de 200 millions de dollars. C'est à peu oui. près 200 dollars par personne ou à peu près. Donc, ils ont besoin de taxer. Ils veulent taxer les, les parkings, ils veulent taxer les voitures encore plus, ils veulent taxer euh, les promoteurs immobiliers qui vont faire des demeures ou des condos. Ils veulent trouver 200 millions par année pour boucler le, le budget. Donc, c'est une, 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 une machine qui a perdu la tête. Qui n'est que bonne à taxer, qui est incapable d'être productive, incapable de s'organiser comme du monde. C'est pas moi qui le dis en passant. C'est Mme euh, Peterson, avec qui on n'a pas d'atome crochu, qui dit J'ai jamais vu une place aussi désorganisée. Un peu plus loin dans un tweet a dit comment l'hôpital était sale, crotté, fini, euh, comment c'est décourageant. Crive de crive de crive de crive de crive, essayez de m'expliquer. Pourquoi ces gens-là sont sur notre dos depuis qu'on fait de la radio de même, depuis qu'on brasse la soupe de même, pour essayer d'avoir un Québec performant, pour essayer d'en avoir pour les taxes qu'on paye, Simonac, de Simonac, de Simonac. C'est quoi qui fait que finalement on est des adversaires de même, alors que on devrait tous être pour que l'hôpital, quand on arrive là on est bien soigné, qu'on a euh, une école moderne, qu'on a des routes sécuritaires. bol. qu'est-ce qui se passe dans le tête? Explique-moi ça, toi. Pour, pour la santé, pour les hôpitaux, on ne devrait pas être adversaire. On n'est pas adversaire. On veut... Tout, tout le monde veut un bon, un bon système. T'arrives là, t'es bien soigné, il y a du service. Pis, euh, on sait, là. Il y en a qui vont dire « Oui, mais là, moi, j'ai eu un bon service là, quand j'ai eu mon opération. » Là, là tu, parles, dit, tu parles, tu parles, tu m'as que tu étais des gens de lunettes roses. Là. Mais en réalité, c'est un désastre monumental. C'est sûr que la personne qui t'a opéré, c'est un professionnel. C'est pas un charlatan. C'est un professionnel. C'est quelqu'un ouais. qui... Oui, mais comme tu disais mais a pas... Prime, Jerry, comme tu disais, si ça va si mal... Oui, il y a trop de fonctionnaires en haut, oui, il y a trop de chefs, etc. Mais c'est parce qu'on est dans une société, et tu l'as bien expliqué à matin, qui se contente d'être productif à moitié. Oui. C'est ça la vraie histoire. C'est ça l'histoire. Et, et partout en passant. C'est ça l'histoire. C'est. Euh, je je l'avais déjà raconté, cette histoire-là, puis je, je la raconte souvent, mais c'est une vraie. C'est vrai, là. Quelqu'un que je connaissais très bien, qui travaillait, qui s'occupait des gens, c'est ceux qui apprennent qui sont diabétiques. Bon, tu vas à l'hôpital, le docteur, bon, tu poses des tests, le docteur dit, ah, oh boy, là, là tu fais du diabète, il faut que tu apprennes à vivre avec le diabète. Donc, tu rencontres une infirmière qui est spécialisée là-dedans. Elle a son bureau, là. Elle a son bureau à l'hôpital, par elle reçoit des, du monde qui sont diabétiques, puis qui apprend à se piquer, puis toute la manière de vivre avec le diabète. Mais cet, cet employé-là, qui était un employé fantastique, là, mais elle reçoit trois ou quatre diabétiques le matin. Puis euh, après, elle a le temps d'aller faire du jogging sur l'heure du midi. Puis euh, l'après-midi, là, euh, garde. L'après-midi, c'est assez léger. Peut-être un ou deux qu'on. Mais ça ne marche pas, ça, là, là. Ça marche pas. Normalement... Là, tu te dis « Ouais, mais non, je prends mon temps, telle affaire. » Le midi, c'est une heure et demie pour dîner, un peu de jogging à travers. J'ai un chum qui me disait que lui, il, opère la, son, il, a, il a étudié avec un de ses amis à l'université, qui lui est à Chicago, dans, une, dans, une, dans, un, dans un hôpital. Ils font la même chose. Ils font les mêmes affaires, ils ont les mêmes skills, ils ont les mêmes mains. ils Ils, ont ils, les font, mêmes ça. ils, ils font les mêmes affaires. Et son chum médecin, Opère dans une semaine deux à trois fois plus de monde que lui. Donc, en bout de ligne, c'est quoi qui arrive si on est tous pas productifs demain? Ben, Mais il arrive ce qui arrive là. Si les restaurants étaient des restaurants nationalisés au Québec, tous les restaurants appartiennent au gouvernement et tout le monde qui y travaille, c'est des employés du gouvernement. Ils vont être ouverts, les restaurants. Mais euh, tu vas l'attendre ta pizza. Ben, C'est ça. Ben, ben, premièrement, il va y avoir plein de tables, pas de monde. Tu vas avoir du monde d'or qui attend. Les gens qui vont être assis n'auront pas le pizza avant 8h le soir, mais ils sont arrivés à 5h30. C'est ça. Mmh. La pizza va coûter 120$ pareil au lieu de coûter 39$. C'est ça. Il n'y a pas de glace dans le verre d'eau. Mmh. Après ça, la bière est chaude. Là, tu, là, il va avoir, tu vas aller à la toilette, la toilette est fermée. Ah, mais parce que... le, le personnel fait son mieux, là. Ben, oui, ils, ils, font, ils font de leur mieux. On a ils quand même leur... été bien servis. Hein? Ils font leur possible. Laveur de vaisselle que tu payais 18 le gars, il est rendu à 40 mmh. mais euh, il, il, il lave la moitié moins de vaisselle que l'autre gars avant. C'est juste un, une question d'organisation. Ça, c'est beaucoup, l'organisation. Un, ils sont, eux, sont mal organisés, sûrement. Et euh, l'autre affaire, c'est que le monde ne veut pas travailler fort fort. On le voit partout, à tout ce qui touche. Là, on, ça nous pète d'en face, c'est un après l'autre. Hey, la la, la, la S-A-A-Q. Là, on oui. apprend par PL. Notre chum PL est venu ce matin sur Radio Pirate Prime nous dire que les entrepôts de la, de la SAC, donc la, de la Société des Alcools du Québec, les entrepôts sont débordés en ce moment. Ils ont arrêté, ils ont demandé aux fournisseurs d'agence privée, d'arrêter d'envoyer du stock pendant deux semaines. C'est la même histoire que la Société de l'assurance automobile du Québec. On est à la même place. Euh, tout est complètement... Euh, garde la chaîne est débarquée. La, la chaîne, chaîne débarquée. du basique est débarquée. Il n'y a plus rien à faire. Il y a plus rien tu, à tu faire. Tu vas à l'hôpital, la personne qui te reçoit est en télétravail. Oui! Oui. Oh oui! Oui! Alors ça. Là, là, tu te dis, là, on te pas le télétravail, toi, tu prends ton char. Ou le bus, Mais ce n'est pas une le... farce. Puis tu as viens, viens, Tu t'en tu es allé à l'urgencière, il a été accueilli par quelqu'un à l'urgence qui est en télétravail avec une caméra. Il est voilà. accueilli par un écran. Oui! C'est ça. Alors, si moi, je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Là. Si je n'avais pas vu ça, là, je ne l'aurais pas cru. Mais inquiète pas que cette personne-là, il y a une brassée de linge qui. qui... Elle, elle, elle a une soupe. Elle est en train de faire une soupe pour légumes en même temps. Et elle a une brossée de linge dans ces choses mmh. Elle, a, a, en travaillant, a fait ses affaires à la maison. Elle dit Je suis claire, elle dit J'arrive mmh. le vendredi à 15h Elle dit Toutes mes affaires sont faites mmh. mon ménage est fait. On, le, on y voit rien que le haut du corps, ça se peut qu'en bas, elle, elle soit un bas-bête. Garde, le message est pour euh, les gens, les défenses. Enlevez, enlever gauche-droite, là. Enlevez gauche-droite, on veut juste que ça marche. Enlevez, enlevez les histoires gauche-droite. là. L'invitation est lancée, OK? Surtout dans le milieu médiatique, les journalistes, les chroniqueurs. Joignez-vous à nous. La seule manière qu'on peut faire changer les choses, à la gang, si on se met à la gang, les gens en podcast, les gens dans le journal traditionnel, à TV traditionnel, sur YouTube, sur TikTok, si tout le monde met de la pression, puis que là, enough is enough, on veut recommencer à partir d'une page blanche, on oui. crisse tout le monde dehors, puis on porte ça à zéro il hein? ben, faut être à la gang pour ça. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Arrêtez de défendre l'échec. Arrêtez de défendre le chaos. Vous devez embarquer avec nous autres pour avoir un Québec performant comme le Québec est capable d'être. Puis ça, là... Si vous n'êtes pas là et que vous nous laissez seuls, bien, vous allez devenir les défenseurs de la médiocrité comme vous l'êtes depuis 20-25 ans. Enough is enough. Maintenant, ça vous touche vous, ça touche vos enfants, ça vous commencez à vieillir, vous vivez l'enfer. Enough is enough. Joignez-vous à nous autres. Ah ouais, donc, on est des gens accueillants. Nous autres, on n'est pas des gens rancuniers. On va vous embarquer, on va dire Ah, ben, finalement! Ils ont compris, ils ont erré, ils sont tombés, ils étaient payés par le gouvernement, ils ont fait un paquet d'affaires, ils ont voulu essayer de passer de quoi, et là, finalement, ils viennent de se réveiller. Vous okay. êtes les bienvenus, joignez, devenez des pirates, joignez-vous à nous, on va. Renverser toute cette, cette tendance de médiocrité-là, et on va s'en aller vers quelque chose qui va être performant, et on va devenir les meilleurs au Canada. C'est ça qu'on doit se donner comme objectif. Comment vous pouvez être contre ça? Comment vous pouvez vous étiqueter les gens ouais, qui veulent ça peu. comme étant des, des poubelles, mm -hmm. des ci, des ça? Mm -hmm. Vous êtes, euh, regarde, vous êtes, vous l'avez testé, là. Vous mm -hmm. le voyez comment que, tout ce qu'on dit, on a 2000 raison. OK, parfait. Mm -hmm. Ça, c'est dit. Là, tu te dis à Mme Peterson, je dis, je vais vous faire, je vais vous présenter quelqu'un mmh. okay, qui a une solution à tous les problèmes que vous avez vécu dans les dernières heures à l'hôpital avec votre fille. Ah ouais. je, 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 elle va dire, dire, hein, c'est super, présente-moi cette personne-là. Le gars qui arrive, c'est Karim Elayoubi. tout ce que Elayoubi va dire, elle va être contre. Euh, oui. Oui, Jeff. Mais là, oh, peut-être oh, qu'elle si oui. vient de comprendre, là. Ah, tu penses ça? Peut-être qu'elle si. vient de comprendre. Ben, si elle a compris, c'est un c'est un, C'est une maudite bonne nouvelle. Jerry. Pas le dire à personne. Je niaise un peu. Tu sais bien que je crois rien de ce que je viens de dire. Tu sais bien que ça arrivera pas. Sont ben trop tu vois le vert. Ils sont endoctrinés. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ils sont endoctrinés. C'est religieux le mot dit C'est incroyable, c'est incroyable. Complètement religieux. Incompréhensible. Et en plus, ils me font peur. J'ai vraiment peur d'eux autres. Hé, hey, Gilles Parent et by On fait du placotage de jeudi parce qu'on est aux portes du week-end avec Gilles tout de suite après. Et l'aubergiste va lancer le week-end aussi bientôt. Jeff The Revolution. Fresh 100%. 100 pirate. En quelques instants, on. Ben, en fait, dans le dernier bloc, on va lancer le week-end avec l'aubergiste. Et on a également dans l'autre bloc qui va suivre celui-là, notre chum Jerry, mais pas l'aubergiste. Jerry, Jerry Pids. Avec la boîte et peut-être un petit peu de poubelle à Jeff à travers. On verra tout ce qui arrive. Mais là, pour oui. l'instant, pour l'instant, c'est le temps d'aller jaser avec Gilles Parent. C'est maintenant le 2 pour 1. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solution Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1833-fissure. Gilles, on a jasé pas mal, on a eu du fun sur très bon, <laughs> très bon bout qu'on a fait sur Prime pour les membres. Si ça vous tente de vous joindre à nous, Radio Ceux qui ne sont pas membres, ça sera le temps. Mais non, on a, eu, on a eu une discussion, le fun. Ton podcast, juste oui. le plugger avant qu'on tombe à tes sujets du live. Juste aujourd'hui, tu vas mettre en ligne un podcast. Je mets en ligne Stéphane Bureau. Avec Stéphane Bureau. Stéphane Bureau, pour moi, c'était sur ma bucket list de savoir ce gars-là. J'ai été surpris qu'il accepte surpris de, du résultat. Puis on a fait une h et vingt avec trois des 15 sujets que j'avais pour lui. <laughs> ça vous donne une idée? Ça ressemble un peu à Radio Pirate. dans ce Exact. Sens on quoi. a plein de sujets, mais finalement, on en fait juste deux, trois. <laughs> mais regarde, on, a, on en a jasé pleinement avec... Puis on a jasé de oui. Paul Arkans de son départ, etc. On a parlé de plein d'affaires. On est avec GL aussi. On a été médias aussi. On est assez à l'aise là-dedans. je pense que les gens apprécient ça euh, par, par notre métier, par nos 30 ans, 40 ans de radio, qu'on que, qu donne notre opinion. On a un éclairage qui peut être intéressant. Donc, c'est sur Radio Pirate Prime pour les gens qui en veulent plus et hey, on commence par des petits sujets un peu plus jeudi, un peu plus euh, on sent la fin de semaine qui s'en vient. L'aubergiste va, va arriver <laughs> tantôt. Euh, tu as plein de petits sujets le fun, on va parler de restauration. tu commences par quoi Je commence par des trouvailles. C'est pas c'est pas majeur mais je trouve que ça je trouve que ça s'insère très bien dans une émission de jeudi et dans les propos que toi et Jerry vous parlez beaucoup de nourriture, vous parlez de, de vos expériences mais évidemment Jerry par son passé, son père, la famille puis tout ça, le restaurant puis la nourriture. Fait que je, je voulais euh, puis les voyages, ça touche à tout. Puis je me suis dit, moi, j'ai des petites. Je, puis en même temps, je vous invite, les auditeurs qui nous entendent, à faire la même chose, à écrire euh, à Radio Pirate. Pour, on pourra en parler dans les prochaines semaines parce il y a des gens qui ont des petites cachettes, des petits trouvailles, ou des, qui vont faire des détours pour des choses particulières qu'ils aiment, soit liées un voyage. Et la première chose dont je veux vous parler, j'étais content de vivre ça. Puis j'ai dit, ceux qui savent de quoi je parle vont comprendre comment c'est important. Si vous êtes allé à Lisbonne, si vous êtes allé au Portugal, y a, je sais qu'il y a énormément de gens qui y vont pour plusieurs raisons. D'abord, le vin est moins cher, la nourriture est moins chère, ça coûte moins cher à aller. C'est un très beau pays, moins cher que l'Espagne, mais tout aussi intéressant d'une autre façon. Le sud, de, de, je ne suis pas en train de vendre Lisbonne, je ne peux pas payé pour ça, là, mais le, le Portugal et le, le sud, c'est vraiment un playa d'aéro, il y en a plusieurs qui sont là. Je peux comprendre l'intérêt, c'est un peu de température extraordinaire, mais surtout le fait que c'est moins cher puis dans ces temps-ci puis euh, c'est pas inintéressant non plus très dynamique euh, le Portugal il euh, y a Porto évidemment euh, on connaît bien mais Lisbonne particulièrement. Donc les gens qui vont à Lisbonne quand on arrive là même mm. à l'aéroport tu à Lisbonne ils disent oubliez pas d'aller à Belém. Mm -hmm. C'est ce que qui se passe à Belém Ben c'est quelque chose d'extraordinaire depuis 1837 à Belém il y a des tartelettes que l'on fait à la main. Oh! Qui s'appellent les pâtisseries de Belém. Les tartelettes. Des okay, galettes de Belém. Beau souvenir. Des petites tartelettes. Non, non, mais des tartelettes avec euh, le dessus, Ça, ça peut Tu sais, le déçu un petit peu brûlé, là. Puis, je vous dire, c'est bien banal de parler de ça Attends un peu. Quelqu'un qui est allé là, d'abord, quand je suis arrivé, moi, parce qu'évidemment, on se l'est fait dire. Puis là, on est arrivé dans la ville. Prends le taxi. Eh, là, la Belém. Elle n'était pas à la Belém. Mais il y a la Belém. C'est pas loin. De, je ne me souviens pas comment on s'est rendu là. Si tu un taxi, si tu. Euh, ah, taxi, pas un taxi, c'est pas loin. Taxi, c'est pas loin. C'est en bord de l'eau, en bord de mer, tu as, as le port qui est là, puis tu avances vers euh, Belém Bon. Quand je suis arrivé à Belém moi, euh, mm -hmm. euh, au mois de mai, il y a à peu près 6-7 ans, on est allé pour une fête de, de mon frère Claude. Ça fait plus que celui 8 10 ans. Et euh, là, je vois la file de monde. Mm -hmm. Deux fois dans ma vie, j'ai vu une file de monde, mais vraiment une file démesurée. Au premier Starbucks qui était. Euh, euh, voyons. C'est parce que je veux le dire, M. Zazabelle, premier Starbucks du monde. Euh, les, les, les Krakens de Seattle. 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 Bon, Excusez-moi. Euh, dans le port de, de Seattle, le premier qui est là, il y a toujours une file de. 50 à 75 personnes pour aller prendre un café au premier, comme si c'était différent. <laughs> c'est ce qui C'est ça? Mais non, c'est complètement C'est l'original. il y a ça, puis oh, après oui. ça, il y a le mur de gomme où tout le monde met sa gomme, ça oh, sent oui. le tabarnage. <laughs> c'est dégueulasse. T'es là. Il y a un mur complet, Jeff, où y a tout le monde a mis une gomme. Mais tu sais, une gomme, comment c'est dégueulasse, oui. ça? ça? vient dur, ça sent. En tout cas, euh, des pour prendre des photos de ça, puis se coller sa gomme le plus hey. possible pour être sûr de quasiment avoir la, la bave de tout le monde dans le, de, de la planète au complet. Bon, ferme la parenthèse, je reviens à nos tartelettes parce que c'est moins intéressant. De parler de tartelettes avec de la gomme, euh, de la vieille gomme. Donc, il y a, y a une folie, puis tous ceux qui vont là veulent des tartelettes. Un peu comme si des gens qui vont aller à New Orleans prendre les fameux oui. beignets, tu as une file, tu dis, voyons. Puis là, on est un peu niaiseux parce que, Jeff, quand, quand tu vois une file de monde, de même, qu'est-ce qui mm. se passe? Y a-t-il un accident? Y a t -il quelque chose? <laughs> là, t'approches, puis là, es... on est comme des poissons, hein? Tout le monde fait fil, ça doit être mmh, bon. Il faut qu'on fasse fit. Tu dis c'est du monde qui veut leur permis de conduire. <laughs> les, les, les pastilles de Bélem. Pastilles de Bélem, exactement. Mais là, mon point, c'est pas de vous écœurer avec des pastilles de vélène. C'est des tartelettes à rouda, celle-là. -là, c'est celle-là? Oui, exactement. Ben oh oui, oui. c'est ah, tap, tap, tap. Ben ah, tap, 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 tap. Zone. Oh, oui, c'est un C'est petit-petit, là. Ben okay. oui, c'est une tartelettes à rouda. Mais ma révélation pour les maniaques <laughs> qui sont allés, je pense, Jerry, de ce que je comprends <laughs> qu'on qu a déjà goûté. Je connais très bien. Parfait. C'est les suivants au Portugal. <laughs> Excellent. Ah, 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 okay, chic. Non, mais je pensais que tu étais à monsieur Espagne. <laughs> non, mais oui, Portugal. Monsieur Portugal aussi. Moi, je connais l'Espagne, le Portugal et le Maroc sur le fond de ma poche. OK, donc, parfait. Pour toi, c'est ça qui a pas de secret. C'est mon coin. Mon secret puis grâce à quelqu'un... Écoute, ce qui est très drôle, moi, j'aime ça dans la vie, quand t'arrives à quelque part, un commerce, Oui. puis qu'on donne... On vient te voir, puis on dit... Il existe des tartelettes congelées, vous avez raison, M. Parent, mais il y a un magasin, il me donne le nom <laughs> du magasin, qui est fait fraîche. <laughs> C'est-tu le fun, ça? Ben, ça. T'es dans un autre magasin, mais le gars vient te voir, il crie pas, là. Mais il dit, garde, en voulez-vous des fraîches faites maison, comme à Belém, Ça se fait à Québec. Oh ben, bâtisse! C'est c'est moi, je capotais, là. Le métro sur Marie de l'Incarnation, je le dis, le Mablon va dire, on ne pourra plus l'acheter. <laughs> parce que tous ceux que je connais qui en ont, que j'arrive avec ça, c'est la fin du monde. Ça coûte 7 pour 4 tartelettes, <laughs> mais ils sont faits de maison. Puis quand tu as vécu ça, il mm -hmm. faut, faut le vivre. Tu sais, là, Jerry, je le vois Donc, rire. Le métro parce Ferland que, en en vécu... du Normandin. Oui, exactement. Le métro qui est là, il y, a, il y a, Et là, vous allez me dire, je suis allé, il n'y en avait pas. Il y en a non, habituellement, là, mais bon, je ne sais pas l'impact que ça aura. Mais ceux, ceux qui ne sont jamais allés, allez voir pourquoi. Honnêtement, c'est bon. Moi, je ne suis pas un dessert, tu comprends? Je ne suis pas monsieur dessert. Par chance, ben je pèserais 700 livres. <laughs> mais je veux dire, je ne suis pas très sucré. Mm -hmm. Mais ça, je dois t'avouer, guilty free un peu, t'en prends juste C'est quoi, euh, Jerry, c'est quoi? En... C'est fait comment ça? C'est quoi les ingrédients? Ben, je pense que c'est du, bla... du, du jaune 2. Oui? De, beaucoup de jaune 2. Exactement. Ça doit pas être ça. léger, là. Beaucoup de sucre, de jaune 2 <laughs> dans une pâte. Donc, ça ressemble un peu comme un, des genres de petits... Euh, un peu comme un genre de petit moffon creux, si on peut dire. Ouais. dire c'est carrément. C'est comme une petite tartelette croustillante. Là. Mais, Mais, Mais avec des œufs. Je, je suis content que tu aies mis le lien. Pour Arruda, je n'y avais, avais pas pensé. Ben oui. Mais quand Arruda parle de ça, les gens riaient parce qu'ils disaient Ben oui, Bélème, pis tout. » Mais quand tu penses que il y a autant de monde, quand tu arrives à Belém puis que tu que t arrives à l'aéroport, ils t'en parlent déjà, il y a des affiches déjà. puis Quand tu penses ça, c'est un hein, qui une tartelette pareille. Il ne faut pas venir fou avec ça. Là. Mm -hmm. Mais oui. Il y en a à Québec. Mmh. Mon point, c'était ils s'en vont congeler à certaines places, mais eux, ils les font right. fraîche. frais. Tu ben euh, chez... disais qu'il y a des Portugais ouais. dans, dans, dans la gang de l'équipe de, de pâtisserie d'après de toi? Oh, Moi, je bon. pense que c'est. Ben, Peut-être, mais je pense sous, surtout que c'est en train de prendre une okay. place Est-ce que c'est à cause de Arruda? Je sais pas. Ben, Peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au Portugal. Y a beaucoup... Parle autour mmh. de toi, Jeff. Jose avec les gens où ils veulent aller en Europe, où ils vont cet été, où ils sont allés dans la dernière Il y a beaucoup de gens qui vont au Portugal pour bien des raisons. Si, là, je, je vais dans des affaires pas importantes, mais des fois. Si, si je touche deux, trois personnes là-dessus, moi, être content. Ah ouais. Parce que, <laughs> là, tu restes-tu dans là, la bouffe, là, tu vas me parler je, des restos, là. Ah ouais, je reste là-dedans. J'arrive reste, je reste dans un resto après, là. Mais j'ai quelques affaires comme ça. Si, comme moi, vous aimez un gin tonic, moi j'aime le gin tonic, mais j'essaye, je vous dis, je suis pas sucré, j'essaye de me donner une chance. Fait que tu sais, le, le tonic, souvent, et tu mets deux tiers de tonic là-dedans, c'est 150 calories. Fait que moi, je cherche le tonic sans, sans sucre. Mm. J'ai aucun problème depuis qu'un médecin me dit. Pour que l'aspartame soit dommageable, c'est 17 canettes de 12 onces par jour. Je suis pas là. D'accord. Par contre, je trouve que les toniques, puis même les toniques plus. Parce qu'il y a quand même une folie. Moi, je, depuis deux ans, je prends du gin tonique, puis je ne suis pas tout seul. Euh, Est-ce que c'est facile à trouver, le il tonique? A quand même... En fait, oui puis non. Oui, je dirais oui, parce que les grosses canettes, mais souvent, moi, quand je prends. Je ne prends pas 16 gin. D'une grosse canette, ça dure 12 ans, c'est trop. Là. Comprends? Fait que j'en jette la moitié où il est, il est flat après. Fait que j'aime mieux les mini canettes Moi, je suis pas un peu ouais, manifestant. Je fais la même chose. Les quand On achète euh, le, 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 le whisky avec le, ben le, oui. le, le ginger ale. Ginger oui. ale. Tu prends les petites canettes. Ginger, ale, petites canettes, ça fait le job. Ben, C'est ça. C'est juste la bonne portion. C'est ça, ça. Au ça, lieu de gaspiller, parce que sinon, le reste, à la fin de la soirée, je tire dans le mm. signe, là, bon, ça ne marche pas. Mm. Fait que là, le, les petites canettes diètes, ils existent, mais ils sont rares. Fait que moi, je veux juste vous dire que moi, je les ai cherchés, je les ai demandés. Fatigant, là. Quand tu dis que je me déplace, je m'enveloppe, Joga, vous avez des canettes comme chez IGA, ils l'ont, les produits sélection ou je sais pas. autres, c'est quoi, irrésistibles, oui. je pense, je sais pas trop quoi. Ils l'ont. Ils ont les, les caisses de 12 canettes à 12 onces. Diète, il existe. Il existe chez choix du président. Mais le choix du président, c'est les mini-canettes. La seule place où je, où je les ai vus, c'est chez Maxi. Je vous le dis là. Fait que quand je vois là, s'il si en manque, c'est à cause de moi. J'en prends 6, 6 fois 6, je mets ça dans le chose, bing bang, ça coûte deux pièces et demi, c'est pas ça qui coûte cher. Mais je trouve que la quantité est parfaite, puis c'est zéro calorie. Fait que tu donnes une chance oui. sais puis j'aime ça prendre un petit gin de temps en temps. Fait que je vous le dis. Quand je vous dis, ça ne changera pas votre vie, mais si vous êtes comme moi, vous aimez ça. Si vous passez par le maxi, vous saurez qu'il y en a. Euh, moi, je voulais vous parler aussi euh, de. de, de Souvent, tu... écoute, <laughs> je vais avouer quelque chose. J'ai reçu des gens dans ma famille. Euh, j'ai reçu des bons amis, puis re... Tu sais, quand tu reçois des gens que tu ne reçois pas souvent, des fois tu veux pas les impressionner, mais faire de quoi de plus. Tu sais, un bon repas, mijoté au four. Et j'allais dire, j'ai foulé du monde, mais pas à peu près. Et merci aux plaisirs gastronomiques. Je veux juste vous dire ça. Si vous êtes amateur de Sobouko, les plaisirs gastronomiques, je <laughs> te dis, là, Jeff, il faut juste... Transférer. Mettez pas ça dans le plastique, ça va paraître là, que ça, vous l'avez acheté. Mais <laughs> mettez ça au four. Puis c'est déjà cuit. Fait que, tu sais, après 20 minutes, autrement dit, tu peux recevoir des gens, prendre un petit verre, tu avec eux autres, tu dis « Ah, et que Puis moi, c'est ce que j'ai dit. Tu me connais, j'en mets. Dit, on a commencé ça hier, on préparait préparé la recette. Puis toute la nuit au four, écoute, ça sent bon. Puis moi, je le mets deux heures avant. Fait que ça embaume la maison. Puis on a fait un de ça beaucoup. Et barouette c'est long pour rien. C'est quoi, on l'a fait, parfait. Les gens mangent ça, puis sont tous heureux. Mais finalement, j'ai jamais rien fait, là. J'ai acheté ça, ça coûte 17 pièces, deux gros morceaux de tout le stock est dedans. j'en achète deux, ça fait 4 pour 4, parfait. Tire ça dans le four, juste réchauffer. Ah oui, ça coûte 30, mettons 34 pièces. un repas pour quatre personnes. On se beaucoup de parts. De parts. Et tu sais quoi Je me suis fait dire par le gars de chez Provisions sur quartier, quand je suis venu pour acheter des saucoku de ovo. Il m'a dit, ben c'est parce que tu peux le prendre au veau, mais ça va coûter cinq fois plus cher. Ben puis honnêtement, oui. le goût. Ah ouais. Puis au Québec, c'est parce qu'on oublie quelque chose. Au Québec, on est la province du porc. On a un des meilleurs porcs au monde que les Japonais viennent acheter. Il les... faut le savoir, là. Faut le savoir a... Il n'est pas cher. Si vous lisez de temps en temps le Full Professor. Sérieux, ça ne vaut pas la peine pour le prix de prendre le veau. mais ben non, cinq fois plus cher, Jeff. Le gars dit, si je te vends quatre morceaux, tu n'as pas le saut beaucoup, tu as juste les, les, les morceaux qui sont parés, là, qui sont préparés. Ben ça va coûter 20-30. Es-tu capable d'avoir la différence, Jerry Es-tu capable de voir la différence entre le veau et le porc Mettons on fait un genre de test euh, à, à soir. Oh, on voit la différence. Oh, tu vas voir oui. la différence. Oh, on, di on voit différence. Mais tu pourras ça. pas dire que le porc est pas bon dans son ensemble, dans l'ensemble quand il est fait. Tu es capable de démêler Tu es capable de dire, lui c'est le veau, lui c'est le porc Ah oh, oui. Ok. Oh, ça c'est. Tu qu'est-ce qui est drôle Parce que les bouchers quand on leur en parle, du, mettons de la viande, parce on parle du veau mettons puis euh, de l'agneau, il va dire l'agneau, 70% des gens qui n'aiment pas le goût, c'est trop fort. C'est pas tout le monde qui aime l'agneau là, puis c'est très cher l'agneau. Si on a l'agneau de la Nouvelle-Zélande qui est moins Exactement. cher, qui arrive congelé, on a l'agneau du Québec, puis ça c'est pas mal plus cher. Là. Mais souvent oui. les gens n'aiment pas l'agneau parce que t'as beau mettre de l'amande tant que tu veux là, c'est pas tout le monde. C'est un goût très fort. Moi j'aime ça. Moi j'aime pas ça. Parce Il y a Ini beaucoup de gens qui n'aiment pas l'agneau. Beaucoup. Mais est ce que initialement, osso buco, ben c'est une recette italienne. Osso buco, oui. c'est purement italien. Mais en Italie, c'est-à-dire euh, ils prennent pas les pâtes de porc. Bon. Une fois de temps en temps. Là. Mais en réalité, la recette originale, c'est avec du veau. Mais tu oui. veux dire euh, euh, c'est des pâtes, là. C'est ce oh, ouais. des pâtes tranchées sur le travers. Oui. C'est ça, ça ce avec beaucoup. Avec l'intérieur, c'est ça. Avec la moelle là-dedans, là. Vu que c'est très italien, là, tu vas être bail de bouc. Tu dis oui, ah, c'est oui, italien, il oui. faut prendre du veau. Ben non. Tu prends porc, puis t'as. Tu va là, voir la, la principale est de boucherie là, qui est, est préparée d'avance, sont au porc est hors de... Puis le port, il dit, c'est pas gênant, on a un port extraordinaire mais au Québec. Oui. Extraordinaire. Et je reste dans la nourriture juste pour vous faire rire un peu. Là, j'ai faim, là. Ah oui, absolument. Sur la rue Quartier, je viens de découvrir ça. Je, je viens de découvrir ça sur la rue Cartier. Un petit petit restaurant, mais moi, je connais le, 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 le grand restaurant, le restaurant grec euh, qui s'appelle le Médizé qui est très populaire. Si vous réservez pas, vous jamais vous rentrez au Médizé Il est au coin Chemin-Sainte-Foy et Cartier. Euh, pas très cher. Accessible, les vins accessibles, c'est vraiment grec all the way. La salade grecque, là, comme tu manges en Grèce, elle est là. Puis les, les, les brochettes, les fameuses brochettes agneaux, t la, t ils sont là, tu comprends? Je ne suis pas payé pour le dire, mais faut le savoir. Tu n'arrives pas là en marchant, on va rentrer ici pour le super soir au ça, Tu rentres pas. Tu comprends? C'est de même. Mais ils ont un petit, dans le local, qui est un local maudit, en face du Brunet sur quartier, où il y a, y a eu à peu près 15 affaires, c'est vraiment un petit petit local. Ils ont fait un, un, un bébé médié qui s'appelle le Zeus, ok Ils sont dans le thème grec, tu comprends Et eux autres font un gyros, un gyros qu'on ouais. voit partout, dans tous les partout partout, partout les grands, les, les grands triangles à l'envers qu'on coupe puis on fait des bords. Tout le monde a vu ça à Paris, on s'en là dedans tellement il y en a. Mais eux autres le font avec trois le trois viandes le naturel. Dit, encore une fois attiré mmh. par la foule. C'est comment ça qu'il y a du monde C'est quoi cette affaire là Tu sais, me mère un peu, moi je prends mes marches à trois jours. Mais arrête-là, je vais voir. J'ai dit, ah, il dit le Giro, c'est si, écoute, c'est une vraie, une vraie folie. 10$, j'ai dit, un repas à 10$, pillages, quand même pas si mal. Là. Donc, avec de la viande, puis du stock, puis de la patente. J'en achète un. Oh, 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 là, j'ai compris. Il y a du monde là, c'est fou. Et je le dis parce que. Il était viandé. Ah, oh, oui, oui. Non, non, temps. il y avait du stock. Tellement que. J'ai dit, là, c'est un repas, là. Il te l'offre en trio, puis moi, je ne peux pas. Là, elle que là. là me tentait, parce que c'est bon en battance, là, mais. Ça plus. Puis tu peux prendre la salade grecque aussi qu'ils font, qui est un dérivé. Fait que c'est vraiment, je vous le dis, c'est un petit plaisir, le fun. Mes fils me disent merci parce que, tu sais, en fait, tu l'as, il, il y a des variables. Moi, je conseille oui. le Girose de base. Euh, je veux juste vous dire une autre niaiserie dans mes niaiseries, mes trouvailles. Jeff, je voulais savoir si tu connaissais ça parce que ça vient de Chicoutimi, le magasin général La Comère. Non! Qui vient de Chicoutimi. tu ne connais pas ça, OK, bon. c'est pas grave. Euh, à Chicoutimou, ils, ils font un hit épouvantable. Ils sont maintenant à Québec, dans le Bourgneuf, à côté de Winners, là, pour les gens qui connaissent le Bourneuf, à côté de Winners, La Vie en Rose, ils sont dans ce coin-là. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Mais là, on parle de, mettons, vous avez une fête, vous avez un anniversaire, vous voulez faire plaisir, vous voulez faire rire vos chums, on cherche une babelle, cadeau d'hôtesse, de, 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 n'importe quoi. Vous dites, là, c'est bien beau, euh, donner une bouteille de Porto ou donner une bouteille de vin ou euh, deux verres à vin ou, euh, tu sais, on sait plus quoi donner, cadeau d'hôtesse. Fait si vous voulez quelque chose d'original, eux autres, <laughs> ils ont des friandises débiles. Fait que je vous le dis de même. Des fois, on aime ça, surprendre dans un cadeau, rajouter. Il y a un côté girly là-dedans, dans la clientèle, mais souvent, euh, des, pro un... des produits qu'on mangeait, qu'on était Exactement. petits, puis qu'on se demande où c'est aujourd'hui. Oui, puis aujourd'hui, il y en a qui ont. Ces compagnies-là ont compris que le vintage, je il marche. Le wow. ils marchent. Juste pour te donner une idée, Jeff, comment c'est niaiseux, mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Parce que c'est une bebelle que si ton. Tu peux très bien mourir, vivre ta vie 90 ans sans être allé là, on s'en fout. Mais si tu le sais, probablement que tu dis à un moment donné, il faut que j'aille là chercher ça, parce que telle fille, mmh. mon couple d'amis vont rire. ok. Des Kit Kat, il y a neuf saveurs de Kit Kat. Ah. Ça te donne une oui. idée? Moi, j'en connais une ou deux, chocolat noir, euh, Kit Kat, on oui, y vert, en a neuf. Ben, oui. Je ne sais pas c'est quel... Euh... Non, non, à la manque, oui. là, bon. Mais ce que je veux dire, il y en a neuf. Ça te donne une idée. Je n'ai pas sorti. C'est pour te donner le minding. OK? Oh, ouais. Après ça, des Fruit Loops. Des gummies, là. Des, 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 des petits, euh, ce qu'elle mangeait, <laughs> comment il s'appelait le président? Euh, des jelly beans? Des jelly beans ou des gummies, là, des, ouais, des, 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 petits, des petits ours en jelly pas en jelly beans, mais en gelée. Là, en gelée, crois, oui. En gelée un peu plus. Bon, il y a des Froot Loops là-dedans, là, le vrai goût des Froot Loops. Euh, il y a des kits à pizza complets en jujubes. Là, tu me disais, ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. C'est pour ça que je vous en parle. <laughs> des kits à pizza. Des kits à pizza. Donc, tu la pâte, tu as ça, es okay. sûr que sur une pizza, finalement, ça se mange mais comme des gommes. <laughs> on est dans le rayon du non nécessaire. Une affaire qui marche très fort, des gommes au mac and cheese de Kraft. Yeah. Pas n'importe quoi, ça goûte. le <laughs> ben Quand je te dis que c'est non nécessaire, c'est ça. Fait qu'ils ont ça. Euh, Puis, il y a les. Moi, je ne savais pas que c'était trendy, mais c'est trendy partout. je l'ai vérifié en faisant, comme Jerry fait maintenant des recherches, des fameux cornichons, un gros cornichon, okay, un, un assez gros cornichon entier, dans un sac de papier, d'aluminium, de, 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 ou je ne sais pas de quoi, individuel. Là, il y a des sortes de, de cornichons mm. que je n'ai pas le goût de manger. Là. Alors, il y, a, il y a saveur de hot mama, donc, très, très fort, à l'ail, triple ail, ketchup, ketchup piquant, il faut mais avec, euh, bon, là, que ça fait avec des... Mais c'est un trend, c'est souvent un trend pour, pour les jeunes. Ils veulent s'écoeurer. T'es pas game. Fait qu'ils prennent le triple hot mm. cornichon. Euh, la, euh, la marque, c'est Van Holtens. V-A-N-H-O-L-T-E-N. C'est partout dans le monde. C'est une folie. Ils disent que c'est une folie, particulièrement chez les jeunes. Fait que je me suis senti jeune de vous en parler, bien que j'ai deux ans. Fait que tu on comprend le gag, Jeff, parce que comme c'est un cornichon, c'est pas tout le monde qui aime les cornichons, puis tu croques là-dedans. S'il y a triple. Hot, c'est comme un défi. Il mm. faut que tu prennes trois bières avec. Tout, fait que, tout le monde s'écœure avec ça, puis il se donne ça, puis, ah, tu m'as trouvé un Van Holtons. Il, il y en a, il y en a un des autres aussi. Et les fameuses boissons gazeuses, ça, ça nous ramène, moi, ça me ramène à Suncrest quand j'étais jeune, oui. à Pure Spring, Bien, oui. toutes les marques de... Dans le fond, on avait des grosses familles, puis on n'avait pas les moyens. Le camion venait dans la rue. Il y avait plein de camions qui venaient chez nous. Il y avait euh, le boulanger, il y avait le laitier, mais il y avait aussi, Pure Spring ou encore euh, Suncrest, qui, qui, qui avait une caisse de liqueur. Puis on avait de la liqueur, aux frances, oui, la friends, liqueur au oui. framboise, de la liqueur au raisin. Crème, crème soda, du de champagne, crème soda. Bon, j'aimais ça au bout, mm -hmm. euh, à l'orange. Mais quand tu reprends ça, si tu prends une liqueur de même, chaude là, tu vois que ça c'est de la pisse. C'est oh. froid, c'est correct. Mais il m'a dit qu'il crème-soda chaud, euh, Jeff, c'est vraiment… Mais eux autres, ils ont la, de la boisson gazeuse au Skittle, à la Barbe à Papa. Tu comprends la déclinaison. Fait qu'il y, y a un marché vintage débile actuellement dans des boutiques de même. Puis vous allez en voir de plus en plus, à mon ah avis. Oui. Ils ont des Cracker Jack. Oui, il y a la vraie boîte. La vraie boîte. tu bon, veux Pas oui, un, oui, sac, boîte. un sac. Non, ah non, ça, ça marche pas. Ça prend la boîte, boîte de arrive Cracker Jack, la vieille boîte, des oui. longs. Mais est comment ils font pour trouver tout ça moi, ouais. je pense qu'ils les font faire. Or, pour les trouver! Parce ben, que ça existe. Parce que moi, je pense que c'est plus fort en Europe qu'ici à cause du volume de monde. T'sais, quand arrives à une ville comme Paris, il euh, y a 10 millions de mais personnes. C'est drôle, j'en ai parlé aux euh... boys l'autre fois. Euh, moi, j'aime bien aller chez Bass Pro Shop, là, les, la, la grosse chaîne américaine, de, un peu comme, euh, okay. euh, un peu comme euh, la tulipe. Là, mais, euh, avec les... OK. Puis, y, à l'entrée, il y a ça. Il y a un genre de, de stand immense. Avec tous ces, ces, ces bonbons-là qui ont marqué notre enfance, toutes les patentes de même. Puis tu sais, je me suis dit, hey, bon, ils mettent ça dans tous les grands magasins, de dessus alors que c'est ouais. comme bizarre. Est-ce qu'ils en vendent? Hein? Qu ils en vendent, d'après moi. Là. Oh, ouais c'est cool. Il ils en vendent, puis ça joue sur, sur une autre affaire, ça joue sur la nostalgie. Et souvent, écoute, vous allez trouver ça bête, ce que je vais vous dire, vous allez dire, ah, il exagère peut-être, mais souvent... Il y a une transmission des parents qui sont fiers de dire à leur enfant, « Hey, là, je t'amène à quelque part aujourd'hui, on va aller chercher une affaire. Des boules noires, on prenait ça. » Mais c'est les gens de place qui vont avoir des ouais. boules noires. Les boules noires, quand je jeune, c'était à toi pour une scène. <laughs> c'était quelque chose en baptême. On avait un petit sac de papier qui nous oui. donnait. Mm -hmm. Puis là, quand on avait 10 scènes parce que nos parents nous donnaient 10 cents où on le volait. Ça, ça, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, mais des fois, le porte-monnaie de ma mère était là. Ben oui. Un coup de monnaie, mmh. là change, un plus 5, monnaie. Un petit 10 Mais un petit, petit j'avais 30 boules de boules noires, qui évidemment, au, au début, nous, nous faisaient oh, c'était tellement drôle, on avait la langue toute noire. Puis au fil du temps, ben, la boule changeait de couleur. Puis, oh, oh, mmh. Quand on se cassait pas une dent dessus parce qu'on était trop calme oui. pour la casser oh au vrai. début, si on la laissait fondre, on était correct. Mais on a, puis on avait des, des petites gommes bazooka, c'est notre bazooka, là, il y a 10, 15 sortes maintenant. Avant, nous autres, il y avait raisin, puis ordinaire, oh, aux fra, fraises ou framboises, je sais pas trop quoi. Là. Les roses, ouais. ouais les roses. Puis, il y avait, les roses avec la famille. moi, j'ai connu les. Puis on a, ouais, oui, puis on a connu le, mmh. le bâton au complet là, où il y avait comme 5, 6, tout pris prix d'un pain oui. tu sais, qu'ils qu vendait. Fait qu'aujourd'hui, ils partent de ça, Jeff, puis ils vont étendre ça à d'autres sortes. Il y a un marché, puis c'est souvent, d'après moi, les parents les réseaux transmettent sociaux. leur plaisir. Ouais. Réseaux sociaux aussi, TikTok. TikTok et... à mort. À mort, ça, à mort ils font, raison. Ils moi, font... je ne suis pas là, mais TikTok, ça doit être l'asile. Ça. ça génère des buzz autour de ça. Là. ça fait que tout le monde les cornichons, je suis certain que c'est TikTok. Je suis sûr, je sûr. Oui. Parce que les jeunes <laughs> se font un, un gag mmh. avec ça. Ils arrivent avec le cornichon, puis là, tu n'es pas game. Puis triple eye, là, quand tu peux t'annoncer que tu ne frenches pas beaucoup après. Là. Mmh. Parce que d'après moi, un cornichon, fort, surette, avec triple A dedans, Jeff, tu sens pendant oh, trois oui. jours. Parce que le cornichon que tu parles là, de la compagnie, oui. c'est Van Houlton. Oui. Ça, ils vendent un cornichon à la fois. Là. Tu, sais, tu, oh. tu, tu, tu vends, achètes un cornichon. Je me demande si Amazon le vend-tu, ça doit? Oui, oui, Amazon. Ah, c'est à, à mur à mur, hein? Oh, c'est oui, sûr, oui. c'est sûr, sûr. Jeff, quand c'est mur à mur sur Amazon, c'est pas ouais, ça. Il y a un buzz. Il y a un buzz TikTok, c'est oui. clair. Hey, finis donc tes restos, là, parce que je regarde le temps passer. Puis oui, après, moi, rapidement, il faut rapidement. Je vais te parler de... D'une réalité qui vous surprendra pas, surtout que vous avez vu le journal ce matin, vous avez vu qu'il y a une coupe d'énervés à Montréal, des femmes, dans ce cas-ci, qui euh, sont allées au restaurant. mais comme il y a des caméras à l'intérieur du restaurant et à l'extérieur, ils se sont fait prendre à manger beaucoup, puis sacré le camp à course, puis ils, ils se sont fait prendre à courir C'est des hein, c'est 22, 23 ans max. Oh oui, mais tu sais, je un peu des gars aussi. Oh là, oui. Je ne suis pas en train de lancer la pierre au film. Les gars, eux autres, ce qu'ils font, c'est quand un gars en chaise roulante est débarqué de sa chaise, il envoie la chaise roulante en bas, le fils à Daniel Brière ouais, ouais. Ça, c'est le vidéo qui est devenue okay, virale hier. La grande classe. C'est okay. spécial. La grande ouais, mais, classe. Euh, donc, mais mais je, juste te dire qu'eux oui, autres aussi, il y a un trip sur TikTok. Il y a un trip de, de rentrer dans les restaurants. De, de, tu te montes tu sais très bien qu'il y a des caméras, mais il y a un trill de sauver du restaurant. C'est pas game, là. Du côté pas game, ouais. OK, sauver sans payer. Ça, c'est déjà vu, mais probablement que c'est pire avec les, les moyens euh, les, la situation actuelle. Mais il euh, y a une journaliste, Françoise Goulet-Pelletier, que j'ai lu qui parle d'un fléau de vol dans les magasins, des voleurs qui s'amusent à s'emparer des biens provenant d'établissements. À la base, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais quand on voit la multiplication des vols, tu te dis, à un donné, ça peut paraître. Vous allez comprendre pourquoi. Trophée de chasse, euh, les raisons qui sont données, c'est trophée de chasse, des pas game, exactement ce que Jeff disait il y a deux secondes. Pour utilisation personnelle, ça coûte cher, donc je vais en avoir chez nous. C'est un peu curieux, mais ça se peut. Puis par des défis aussi lancer par des connaissances, qui qui en vole le plus, qui qui en prend le plus. Bon, au bout du compte, des vols improvisés qui peuvent représenter des centaines de dollars et des milliers pour certains. La question que moi j'avais en tête et que vous avez probablement en tête, qu'est-ce qu'on vole Il y a des choses évidentes, mais ce qui se vole le plus, c'est les salières, les poivrières. Il faut penser qu'il y a des petites salières ordinaires de leur à moi en vitre là, avec les petites choses, en... mais il y a des salières euh, avec le le le. le... Comment on appelle ça? le, le, le... Le, mais, le, ouais, oui, le tourniquet, le tourniquet ça. qui wow. va permettre de broyer. Le moulin. Là, le moulin, c'est ça. ça. Le moulin, hmm. ça serait le bon terme. Merci, Jerry. Le moulin qui va broyer. Le... Là, tu es rendu à quelque chose d'un peu plus cher. Tu ah, comprends? Oui. Oh, ouais. Puis si c'est un peu jaune. Des gens connaissent un petit peu ça, ça, ça coûte cher. Garantie à vie. Garantie alors, à vie. C'est oui, celui que, plus... que j'avais chez nous, d'ailleurs. Ils ben, il brisent tout. Les Peugeots, ils brisent tout, 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 ah, 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 tout. Non, mais pour est moyen qu'ils garantissent parce qu'ils savent qu'ils vont briser bien vite. Tu... Il <laughs> ouais, faut comme tu mets une sorte de poivre dedans. Là, est parce que ah, il est capricieux. Il est capricieux. Oui, okay. Il est capricieux, ça ne okay. oh. pas ça. Donc, les saliens à le tabasco. Tu vends moins de tabasco, c'est... Ils volent le tabasco? Ah ouais, ils volent le tabasco, ben mais c'est quoi? Une coupe de pièces, tu, sais, tu vas okay. me dire c'est niaiseux, mais coupe de pièces, parce que c'est pratique de n'avoir. Quand t'en as plus, t'en as plus. Donc, tabasco. Après ça, les enseignes de plastique, je ben, c'est quoi le gag? Mais encore une fois, des défis. Mm. Les, les enseignes à deux faces, là, genre, glissant, c'est mouillé, ouvert, rentrer, nous voir. Tu sais, qu'on plie en deux, tu te refermes le soir, quand tu rentres dans le... Ces enseignes-là, ça se fait voler parce qu'ils mettent souvent à l'extérieur pour mm -hmm. dire aux gens, on a le meilleur smoke meet en ville, on aime rentrer... Après, moi, nous les voir, serviettes est... d'hôtel, ah, ben oui. Ben oui ça, ça, mais là, je te parle plus ah des okay, restaurants. restaurants. On vole plus dans les des restaurants. Ça mais... incroyable. Ah oui, ah, ça, c'est écoute. Des gens, des... Il y a des gens dans les plaintes, dans les hôtels, qui disaient vos, 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 vos serviettes, vos trop sont pas, ça rentre mal dans Valise. <laughs> <laughs> ça te donne une idée. Qu'est-ce qu'on vole aussi Des terminaux de, de paiement mobile. Hein Ben voyons. Ils volent le terminal. Ils le terminal. Partent avec. Voyons. Des plantes, des verres, des ustensiles. C'est pas surprenant, mais tu sais, des fois. de tu le demandes, moi, je vais vous dire une chose, ça m'est déjà arrivé, un verre que je trouvais beau. J'ai dit, je peux-tu l'acheter? Puis finalement, j'avais réussi à l'acheter. Pas obligé de le voler. Là. Mais en tout cas, ça se vole. <laughs> euh, des éléments de décoration, des serviettes hygiéniques féminines. Quand on en a à la, à la disposition, il y en a qui disent Ah, oh, j'ai plein Il m'en manquait chez nous, on va faire le plein dans, mmh. dans, dans sa coche. Des bouteilles d'alcool. Ça, il faut que tu t'en lignes, mais il euh, y a beaucoup de gens, quand, tu quand ils font trop confiance, pas avec une bouteille d'alcool, c'est quelques pièces aussi. Et évidemment. Jeff, les rouleaux de papier de toilette. Incroyable. Mais on va en avoir de plus en plus, là, les restaurants. Au prix que c'est rendu, il euh, y a du monde qui va vouloir se gâter un peu. Puis le monde a faim. Hein? <laughs> La vie coûte cher. Ça va être un fléau. Ben là, on a vu là, Walmart ferme des magasins dans des quartiers euh, plus défavorisés parce qu'il y avait des problèmes de vol. Donc euh, on s'en va vers. Tu euh, niveau... sais, on avait hey. réussi à avoir une certaine. Euh, C'était assez calme au niveau social depuis vingt-trentaines, oui. trentaines d'années. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers des Il y a une agressivité tough. dans l'air. On en parle depuis plusieurs semaines. Puis il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la violence qui se démontre de plus en plus. Puis il y a beaucoup de frustration. Ça, c'est le terme, je pense, le, le, le plus... Mais je veux finir avec un, 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 un petit clin d'œil, OK? Si tu ah, me oui. permets. Un flashback. On a parlé beaucoup d'informatique, de, 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 de notre nouveau... Euh, je, je dirais, survivant, que j'appelle Éric Kerr, parce que le, le premier ministre le, le, le soutient encore. Moi, je pense que dans un, dans, dans un remaniement ministériel, on ne sait pas comment ça va arriver, mais d'après moi, M. Kerr euh, il va perdre son chauffeur. C'est le feeling que j'ai. Ça, c'est très personnel. Mais je trouve que la pression ben est oui. très forte. Là. Le, le, puis l'opposition ne lâche pas. Ils ont raison. Il ne peut pas s'en non. non, mais mais non. C'est le boss d'informatique. Mais juste pour vous rappeler un souvenir heureux et malheureux le coffre-fort virtuel à la ville de Québec s'appelle. bol Coffre-fort juste pour le fun. Ça devait permettre de payer contraventions, les taxes, effectuer les demandes de permis, système de sécurité, euh, partage de données, collaboration avec une femme française. Euh, l'application ne marchait pas parce qu'elle n'était pas reconnue par Apple. On a dit on n'a pas pensé à ça. Non, on pensait pas... à... ah, tu pars, ah, non, ça, En partant, l'application arrive. Genre. Apple, ça ne marche pas. <laughs> ça, c'était <laughs> effrayant. Régis Labo me l'a arrêté à un moment donné. Il a dit là, ça va faire de Mais Écoute, il avait été conseillé là-dedans. On... Mais comme il était maire, il faut y lancer la pierre à lui aussi. La ville voulait tester 35 000 citoyens pour le coffre virtuel. Combien sont inscrits au total? Mm. 900. Oui. Il ben, fallait recevoir une Donc, carte. Il y avait une carte avec une clé USB. Oui, il y avait une carte. Ah non, mais écoute, c'est 2 millions. Carte. Ça, c'est ce qu'on dit. Moi, ah, je mais la bombe, été... c'est lui qui nous avait vendu ça pas mal. Il nous avait fait la morale sur euh, le cloud computing quand il l'avait vendu. J'ai encore oui. cette conférence-là. C'était mémorable. C'était genre 4 ans l'époque de. De Clotaire, ça ouais, pas mal. Ouais, oui, on était dans, dans le Clotaire pas mal. Ah. On était dans le ah, oui, on dans, Voilà, merci, pas. bonne semaine. Mes... Hey, mes... salut euh, mon ami Gilles, bonne ride d'autobus. Euh, regarde, voici le, le transport <laughs> en commun, même la, la gang de Radio Pirate l'utilise. Ah. Ça nous permet, permet d'en ben, parler. C'est ça. <laughs> Gilles Parent, gros euh, podcast aujourd'hui. Donc, euh, GillesParent.com oui. et toutes les applications de podcast comme... Euh, Spotify et Apple Podcasts avec Stéphane Bureau, donc Gilles avec Stéphane Bureau, 1h20 de podcast. Mon nom est Jeff on fait une pause, on vient après, on a la boîte à Jerry. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1 fissure Radio Pirate. Do you like it? Radio Pirate. Ah! Loud noises! Pirates. OK, on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On n'a même pas fait dans Radio Pirate Prime aujourd'hui. Non. Non. Pas fait, donc ça veut dire qu'on a plein de nouveaux sujets, le fun. La fin, c'est qu'on... <laughs> <laughs> faut dire que dans le Prime, ça jasait pas mal. Là. Ça change beaucoup. Euh, beaucoup. Énormément. Là. PL, c'est un, un hyper genre. On a fait un 3 heures quasiment dépassé aujourd'hui dans le Prime. Oui, oui c'est ça. Oh oui, c'est ça. Là, là j'ai besoin, besoin de vous autres. <laughs> Moi, il faut que je comprenne quelque chose. T'sais, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'aime ça me faire conseiller, me faire expliquer. Moi, euh, j'ai besoin, j'ai besoin de comprendre. Parfait. Enfin, depuis quelques années, le gouvernement du Québec, euh, depuis quelques années, commence à nous mettre dans la tête. Bon, okay, on s'en va vers l'électrification des transports. Le, le, les autos électriques, puis les affaires d'autobus électriques. On, on est là-dedans, Christophe. Pis, OK, c'est l'avenir. C'est là, là qu'on s'en va. Pis, donc, le tout électrique, les autos, puis en a des règlements en 2035, puis il n'y aura plus de char à gaz. Pis, OK, parfait. On connaît l'histoire. On connaît la, 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 la patente. Tu dit OK, euh, oui, oui, euh, ça marche. Euh, parfait. Là, il y a un bout que je ne comprends pas. Là, il faut me, me l'expliquer. Okay? Tout le monde aille dans l'électrique. Mais l'usine de batterie de, de, de Volkswagen, ils n'ont pas pu s'installer au Québec parce qu'on n'a pas d'électricité pour eux autres. Oui, hein? Attends pas, là. Il Après ça, il y a six mois, un an, Fitzgibbon il dit, puis, puis le premier ministre aussi, Bécancourt, ça va être un des centres quasiment nord-américains, si c'est pas mondial de, de, de la batterie. OK, là, tu écoutes ça, là. Bécancourt, les batteries, les ci, les ça. Là, Volkswagen la, lève la main. Volkswagen, ils veulent fabriquer, ils veulent ouvrir une usine de fabrication de batteries. Là, Fitzgibbon dit, c'est incroyable, c'est spectaculaire. Là. On n'a pas les moyens énergétiques suffisants pour une usine de batterie au Québec. Euh, au Québec. Ouais, peu, là. On okay. manque de courant au Québec. Okay, bonne. Tu, veux, tu veux que moi que je roule électrique, tu me dis que tu vas ouvrir des usines pour fabriquer des batteries. Alors, ah pas rien que ça, tu me dis qu'ils qu disent... La ville de Montréal veut qu'on enlève toutes les poêles à gaz d'un restaurant... Ah ouais, ah, au complet. On Ils veut dire... qu'on enlève toutes les grosses bâtisses qui sont chauffées au gaz naturel et qu'on mette ça, le chauffage à l'électricité. Puis là, finalement, on apprend quand même, quand même une petite usine, là. Je veux dire, c'est pas, pas une ville. Mais la face, c'est que c'est... Une usine. Parce qu'on parle à valeur c'est une usine. Pas... Volkswagen n'a pas dit Hey, on va, entre... on va rouvrir mille usines. Là, tu dis, OK, un peu, là, on va checker nos affaires. Non, non, c'est pas ça. C'est une usine. Donc, Fitzgibbon, il sort, il dit Ouais, ils sont allés en Ontario. Ouais, pourquoi, Fitz Pourquoi sont ils sont allés en Ontario T'as pas de de bécancour, ça marche-tu Mais non, on ils ne peuvent pas venir. On n'a pas d'électricité pour eux autres. Voyons, t'as pas d'électricité pour une usine de batterie, mais moi, il faut que je me achète un char électrique. Hey, Fitz, je te dire une chose. Je te rends service avec mon char à gaz. Ben oui, je te dépanne. Je te dépanne présentement. Tu nous vois-tu, on arrive, on est un million de Québécois qui changent le, le char là, là. On vous met dans la merde. ils hey, sont dans la merde, dans la merde, dans la merde, ça peux pas savoir. C'est une bénédiction qu'on veut pas s'acheter. Hein? c'est une bénédiction qu'on soit trop pauvre pour nous acheter. Regarde, hum. vois-tu ce que ça fait, là, d'écouter tous les, les pinkos puis les bobos puis peut-être la gang de pas bons. Puis la gang du BAP, puis tout ce que tu veux, puis les, les journalistes qui nous racontent toutes sortes d'histoires. On va se ramasser, je te le dis, là. On, va, on, on était au Canada, l'endroit où s'il y, si y a une place dans le monde où on n'avait pas soucié de l'électricité, puis savoir comment on en a, puis comment, comment on peut en avoir, c'était nous autres. C'est nous autres. D'ici quelques. Avant notre mort, là. avant notre mort, on va être dans la place en Amérique où l'électricité est la plus rare qu'il n'y a pas. <laughs> Pour toutes sortes de raisons, là. on n'est okay. pas capable de faire des nouveaux euh, choses. Les éoliennes ne marchent pas. Euh, les panneaux solaires, ben, on manque de soleil. Il y a trop de neige dessus. Euh, on a vendu l'électricité pas assez chère aux Américains. On en donne à des alumineries. On, est, on, a on a fait des règles maintenant où on a enlevé le gaz naturel pour des raisons de, de climat. Donc là, maintenant, on est fourré. Là, l'électricité va venir très, très chère. Ils vont en manquer. Ils vont nous demander de descendre le, le, le chauffage à 15 degrés dans les journée froide en hiver. Check bien ça. là. Ça va arriver. Est-ce que c'est parce qu'on manque d'ingénieurs pour bâtir? Est-ce qu'on manque oui. d'expertise? Ben non, parce qu'on écoute toute la gang de cris de fous qui écrivent des journaux, puis des profs, puis les ci, puis les puis la gang du BAP. On est les kings pour tirer dans notre propre chalot. C'était la seule affaire où on avait l'impression qu'on n'était pas pire. Mais l'électricité au Québec, ça va être l'équivalent du système de santé québécois dans 20 ans. Est ce que vous voyez dans le système de santé, là? L'électricité au Québec dans 20 ans, ça va être la même maudite patente. Check ça. Watch out. Watch out ce que je vous dis là. Mettez ça, en, prenez ça en note. Gardez cet audio-là, dans 20 ans, on s'en reparle. On l'avait l'occasion, puis il va être bon. c'est que il va y avoir d'autres compagnies qui vont vouloir ouvrir. Mais là, si on n'est pas capable d'accueillir vos Volkswagen, on ne peut pas accueillir les autres. Mais non plus. Mais pourquoi il a collé la capitale mondiale des batteries avant qu'on ait des batteries? Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette patente-là? Hey, Est-ce qu'il gouverne à la petite semaine? Je ne peux pas ah, croire. Tu peux pas croire. By the way, on a Internet. Puis quand on a Internet, on peut aller voir dans le passé. C'est ça la magie. On dirait qu'il pense qu'on ne peut pas retourner. Oui, il pense qu'on est comme dans le temps avec des journaux qu'on jetait à la fin de la journée. Oui, c'est ça. Hey, en début de show, Jeff t'a parlé. On a parlé un peu de. de, de, de de l'expérience de, de, de Mme Peterson à, dans le réseau de la santé, là, à, à l'hôpital. Mais la face, c'est que bientôt, les Québécois vont pouvoir évaluer leur expérience dans le réseau. Ah, ben oui, ben oui. Oui, on va avoir un genre de guichet, une patente. Un une... genre de cinq étoiles sur Google. <laughs> Et on va avoir une place pour aller coter notre expérience ah ouais. dans le système de santé. Euh, ouais. <laughs> Non, non, faites ça avec Google. Il faut pas que le gouvernement fasse ça. Parce que si, mettons, je mets zéro bon ben, comme mon feeling que mon commentaire ou mon rating ne sera pas là. Moi. Ça, ça c'est garanti. C'est ça qu'on veut savoir. Qui va s'occuper du rating? Oui, qui <laughs> va s'occuper de filtrer les ratings? Parce que, oui, parce que là, si tu mets des étoiles, mettons, tu dis un étoiles jusqu'à dix étoiles moi, j'arrive je mets un tétouelle. Puis je peux pas mettre zéro. Donc, faut que je mette un. Là, je mets un t'étoile. Puis je mets un commentaire. Oups, effacé. Ça, c'est sûr qu'ils vont ça. va être le même gars qui gérait le compte de la CAC pendant, pendant COVID. Ça. Là, ils vont Facebook. là, ils vont tripoter une patente. Ils vont, ils vont mettre un genre de 7 étoiles et demie. Ah ouais, ouais. Non, 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 on va avoir 8, quasiment 9. Ah ouais. ils vont aller jusque-là. Ah, si les penses... gens sont contents. Finalement, c'était du, du folklore, l'histoire. <laughs> le monde est très, très, très content. C'est ça l'affaire. Vont... C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont se donner une piscine. Ça fait de... deux ans et demi que tu attends ton opération, puis tu en meurs, là. Oui. Ça se peut que tu n'aies pas le temps de rater ton service. Oui, c'est ça. Moi, je comprends. Hey, TikTok. Faut... TikTok. TikTok. C'est le même qui dit le, le, le PM. Il est sur TikTok. TikTok, un, un là, le, le... aujourd'hui, tous les services gouvernementaux, on l'a vu aux États-Unis, mais là, aujourd'hui, c'est UK. Donc, euh... United Kingdom, l'Angleterre, ils, ils ont bloqué. Si c'est un téléphone du gouvernement, euh, c'est terminé TikTok. Puis je voyais aussi dans le Wall Street Journal, le gouvernement américain là, ils ont mis une genre d'ultimatum. Je sais pas s'ils ont mis une date là, je sais pas j'ai pas trouvé as trois patentes. Mais il y a un genre d'ultimatum pour que TikTok ne soit plus. Un hey, peu, mais plus public que ton affaire. Le docteur TikTok du Québec, lui aussi quitte TikTok à cause de ça. Ah je suis pas au courant. Ben oui, le docteur TikTok, le, le, le docteur prétentieux qui était le, le jeune là, qui avait l'air à tout connaître, puis que lui, il dit, lui, lui, c'était juste la vérité. <laughs> lui, c'était juste lui. Là, lui, c'était lui, c'était le la référence. Les autres docteurs sont toutes moches là. Toutes les autres qui disent l'inverse de ce gars là, c'est tous des de charlatans. Mais lui, c'est le vrai docteur. Ben là, il a quitté TikTok. Parce que son téléphone, euh, il reçoit des emails, puis les Chinois pourraient lire ses emails, sa santé. Pensez-vous sérieusement qu'un Chinois qui veut copier le système de santé du Québec, je vois le faire? Non. Que... non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. way, si vraiment tu veux continuer sur TikTok, quand il acheté un téléphone, un téléphone ou un jeu pour moyen. Un... Il hey, y, y a des tablettes Android à 99$ sur Amazon. Oui. Donc, si vraiment il veut faire vrai. des. Il a juste à dire, moi, il faire sur TikTok là. Non, non, c'est parce que, garde, le gars, il. Du coup, il fait le tour du jardin. Est... D'après moi, il se rappelle tout ce qui a dit. Puis il regarde comment c'est en train de virer sur la, tic... sur, euh, sur, euh, la, la COVID. Mais il dit Ouais, ça peut être un bon timing de partir de TikTok. Ça peut être un bon timing, on va mettre ça sur le dos des Chinois. Donc, le Wall Street Journal dit que le gouvernement américain a mis un genre d'ultimatum à TikTok. C'est ce qu'on lit. la fin c'est qu'ils euh, veulent qu'ils se détachent de la maison-mère. C'est ByteDance », Dance, là, la maison-mère. ByteDance » paraît-il que le gouvernement chinois est là-dedans, donc actionnaire, pétancho, mais le gouvernement chinois d'autres ils, ils envoient leur, leur, leur monsieur. Là. Il arrive des monsieur qui une petite valise, c'est lui le boss. Là. Il arrive toujours à un monsieur quelque part. Mais donc, by, là, ils veulent qu'il se détache de biden Je ne sais pas si ça va aller, là, mais euh, mon feeling, c'est qu'à un moment donné, TikTok, ça va être, ça va être la fin. Là. Feeling. Je, je, je dis ça de même. À moins que qui se fasse acheter par une compagnie américaine ou une autre compagnie. Je ne sais pas, là, Mais je sais pas où ce que ça va aller. Mais c'est vraiment spécial. À ah oui, c'est l'autre affaire que je voulais te parler. Il y a déjà que sans doute une copie de TikTok qui est en train de se faire chez un des gros joueurs, là. Ouais. En cachette. Ah oui. Ben oui, c'est sûr. Ça se peut, ben oui, oui. Soit, oui, ça, ça se soit peut. Facebook. C'est sûr que Facebook, on ne sait plus s'il reste encore des employés. Là. Ça fait quand même 22 000 employés qui sont mettent dehors. Mais euh, soit euh, Elon Musk, soit euh, Snapchat. Ou Facebook, d'après moi, sont en train de travailler à un genre de copie mmh. intégrale de TikTok. Ouais, ils vont appeler ça Ding Dong ou Toctic. Oui, c'est ça, ouais. Toctic. Il, il y a un pirate qui m'a envoyé. Euh... Oui, il m'a envoyé 3 quatre photos. Il dit Regarde ça, ce capoté. Euh, Son enfant est à l'école primaire et euh, il y avait un livre. Il était comme obligé de lire un livre. Monsieur, c'est des. Ils du primaire. Ce n'est pas, des... pas des livres de 900 pages. Hein? C'est un genre de, de, de livre fun, avec beaucoup de, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images. Mais, mais c'est le livre qui est spécial. Le livre. Ben le titre, c'est Culotte meurtrière. Ben ouais, hein? le, le titre n'a au aucun rapport avec le livre, on dirait. Là. Mais tout savoir. C'est qui C'est qui l'auteur? C'est l'auteur. C'est euh, Élise Gravel. Oh, je pense que c'est la fille qui... Qui se plaint d'être censuré, mais qui raconte des histoires de, quasiment ah, d'inceste et d'enfants de, de, qui changent de sexe à 5 ans, là. puis qui se demandent pourquoi DeSantis ne veut pas voir ses livres dans les écoles. Là. Oui, oui, oui. Mais pourquoi ça. on censure une auteure? Parce que sacrément, ses livres sont complètement sautés. Pas oui, bien, bien compliqué. <laughs> là, son livre. Son... <laughs> c'est ça l'affaire. Elle a des affaires spéciales. Mais là, ce livre-là, c'est carrément pour, autrement dit, c'est quoi une fausse nouvelle? Ah, la désinformation? <laughs> pourquoi des gens croient aux fausses nouvelles? La différence oh oui. entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle? Ou, la, je vois à la page 3 ou à la page 4, il est marqué, les médias d'information fiables emploient des journalistes. My God. Donc, faut être journaliste. <laughs> non, c'est les journalistes qui disent la, la vérité. Oui, oui, oui. Ça dépend ce qu'ils disent. Là. là, ils disent, il y a deux sortes de journalistes. Il y a les reporters. Oui. Le reporter, lui, il rapporte les faits. Hum. Et il y a un vérificateur, lui, il vérifie les faits. Donc, <laughs> bon, Non, oui. non c'est... Oh, oui. C'est comme une bande dessinée, mais moi, je trouve que c'est... C'est comme une bande dessinée comique. Hey, ils veulent-tu le brainwasher hey, les brainwashers jeunes, tu penses? Ils les prennent dans le berceau. Hmm. Ah, c'est incroyable. Ah non, c est, c est, ils vont les prendre dans le berceau. Laissez les enfants tranquilles, sacrement de gang de saucisses. Êtes-vous complètement malade? Voyons, hmm. Tout le monde sait que la, les, la plus grande fabrication de fake news de toute l'histoire, c'est les médias traditionnels et la gang de journaleux. Toute une gang de pas de maths. Come on, All right, let's go. Et une autre affaire dans le bois, Jerry, qu'est-ce qu'on a? Oui, une autre affaire, euh, c'est une étude. C'est Mr. White qui m'a envoyé ça. C'est une, euh, une étude qui a été réalisée, euh, je, je pense que ça s'appelle euh, VPN Overview, y a même. Là. Ils, ont fait, ils ont fait quand même une étude, là, pour vrai. Là. La face c'est qu'ils ont analysé, regarde, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, c'est intéressant. Ça, c'est le genre d'études de le fun. Des affaires que tu lis et euh, tu ne te causes pas la tête. Ils ont analysé ceux qui font des recherches, autrement dit, pour... Tu, tu, fais, tu fais une recherche sur le web pour supprimer... Comment supprimer une application? Il y en a, 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 a qui disent, « Ah, oh, j'ai des applications dans mon téléphone. » Ce n'est pas tout le monde qui est hyper techno. Là, Puis autres, Comment je fais pour supprimer l'application? Sauf que les, les, les gens qui font des recherches, souvent, ils vont mettre le nom de l'application. Ils vont dire, « Ah, oh, moi, je cherche à supprimer Instagram. » ou oui. je, je cherche à supprimer euh, Tinder. » Peut-être moins. Là. Mais en tout cas... <laughs> Mais là, l'affaire, c'est que dans, dans toutes les applications où ce que le monde fait une recherche pour supprimer, dans, dans c'est Instagram qui est numéro un. Donc, dans les, re, les gens, dans les recherches, ils disent, comment on fait pour enlever Instagram de mon téléphone? Numéro hein? un, c'est Instagram. Numéro deux, c'est Facebook. Oh Snapchat bon, hein? est troisième. Twitter est quatrième. Telegram, cinquième. Spotify est sixième. TikTok est septième, LinkedIn. Ben en fait, c'est plus l'application <coughs> est populaire et plus ça, ça arrive. C'est euh, ça, c'est pas si inquiétant que ça. Tinder est neuvième. puis Messenger oh, oui. est dixième, là, Messenger. Mm. Messenger, c'est pratique. Là. Pourquoi tu voudrais tu le supprimer ou je sais pas trop quoi. Mais quand même, c'est une patente que, que Mr. White m'a envoyé une genre d'étude spéciale. Et l'autre affaire, c'est ça, là. C'est peut-être une vieille nouvelle, là, mais... Le nombre de parieurs le, le, le nombre de parieurs au Québec en ligne a triplé. Ah ouais. Oh, ouais ouais, il faut barrer là, les, euh, les gens qui font des casinos virtuels hum. Pour Faut les barrer, il hum. faut demander aux fournisseurs d'internet des fermer, des barrer. Oui. Il y a juste il euh, juste euh, euh, l'auto Québec qui pourrait qui est sûr qu'on fait attention, y a, les règles sont claires. Les autres c'est des méchants. Mais les autres c'est des bandits. C Donc là tu vois c'est exactement ça là, parce que ces, ces compagnies là justement ils disent ouais mais là ils font beaucoup de publicité on l'envoie beaucoup de publicité là pour les euh, les roulettes les cinés. Ça, tu vois des, des... Ben, ben, ben. Ouais, exactement ça puis tu vois beaucoup ben, de ben, ben, ben. moi sur euh, moi sur, euh, sur Instagram je vois des quelques pubs de temps en temps sur des espèces de roulettes là, avec des citrons, des des affaires qui tournent hein. mais le monde sont le monde adore ça, là. Les casinos virtuels, les affaires virtuelles, ça l'a. Mais l'affaire, je capotais pareil. La statistique. Mais comment je... ça que j'ai zéro ça en moi, moi Moi non plus, j'ai pas. Zéro. Ouais. Zéro, 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 zéro. Ça m'intéresse pas. Je vais à Vegas, je mmh. passé à travers des patentes de machines à plus finir. Et ils m'ont bien beau bon me donner euh, 42 euh, screwdrivers pour euh, m'assoiffer, assoiffer ma soif, c'est ce qu'on dit Oui. Euh, puis il n'y a, a rien de ça qui m'intéresse, zéro. La moitié. Étancher ta soif. Étanché ta... Et... Prêt... ta soif. C'est Attancher. Près de la moitié des gens qui jouent euh, sur les casinos euh, virtuels, d'une manière, près de la moitié, ils vont une fois par semaine ou plus. Il y a du monde qui y vont une fois par mois. T'sais, ils l'ont déjà essayé. Puis ils se disent OK, ben moi, je fais partie du, du monde. T'sais. Non, non, mais la moitié, ils vont. Au moins une fois par semaine. Le nombre est triplé, puis la moitié de ça va y voir une fois par semaine. Oui. Et est, quand tu fais une séance, combien que tu dépenses en moyenne euh, dans une séance J'ai peur du chiffre. C'est 20 biasses. En moyenne En moyenne. Moi, je pense que c'est plus. Oui, c'est 100 dollars. Ah! En hey! moyenne. 100 biasses. Le monde a l'air bien riche. Parce que dans les parieurs, là. Non, le pire, c'est qu'ils sont pauvres comme job. C'est ça. ça. Dans les parieurs, là. Comme je viens de dire, c'est 50 Donc, 50 de, 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 de très actifs. Il y a des gens qui sont très peu actifs, une fois, une fois de temps en temps. Mais si tu prends tout le monde au complet, tu fais une moyenne, c'est 100 sur une séance. C'était peurant, là. Ouais. Beaucoup de cash. Énormément. Ouais, Ce n'est pas grave s'ils donnent à l'État pour avoir des meilleurs hôpitaux, mais s'ils donnent à... Des entreprises avec des serveurs dans des pays ouais. où il n'y a pas d'impôts, là, là, ça, c'est grave, là. Oui, le gouvernement, il sait quoi faire avec votre argent. Oui, au moins si c'est le, 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 le panier de services collectifs oui. qui ramasse le 100$ à chaque semaine des pauvres, au moins l'argent reste dans la machine, L'hôpital est gratis. Oui. <laughs> si on veut améliorer les hôpitaux et nos routes et nos écoles. Pourquoi tu penses t'es pas soigné parce que c'est gratuit ben. ben oui c'est ça une enquête qui était l'enquête a était faite sur 4500 québécois donc c'est quand même, pas rien là, quand même là. mais euh, du gambling 100 du gambling il y en a beaucoup hey, Jeff, ça va vite ça, ça va vite là. tu mets un 100 pièces là pour t'embarquer la roulette là pas tant de choses donc, à un moment donné parce que quand tu paries sur une roulette là une ligne là il va dire ah, la ligne c'est 25 cents ouais, mais la ligne tu as huit lignes Alors, tu veux remplir les huit lignes là? Euh... Quand ça tourne, ça ne tourne pas longtemps. Là. Donc, tu, pousses, oui. tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu flambes un sang. Je te jure, là, tu peux flamber un sang en 20 minutes. Là. Facile. Là. Donc, eux il jouent, ils jouent, ils jouent, ils taponnent là-dessus. Mais tu l'as dans tes mains. Tu as ton casino dans tes mains. Puis à cette heure, puis, puis, j'avais vu un article là-dessus qui était très intéressant. La L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, les. les euh, tu sais, quand tu vas dans un casino, les machines sont attrayantes. Tu sais, la couleur, la scie, ça. Mais aujourd'hui, les interfaces, toutes les, 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 euh, comment dire, les machines virtuelles, c'est de toute beauté. Là. Quand tu gagnes, tu vois le petit bonhomme revenir. Les, les, la, la, la manière que, que c'est fait, c'est très, très addictif. Là. Pour, pour vrai. Là. Moi, je suis un peu, je suis vraiment néophyte là-dedans. Là. Mais en ligne, là, tu sais, euh, je, je comprends les machines quand on va dans des commerces. Il y a des machines gérées par le gouvernement. Oui. Là, mais en ligne, tu peux jouer avec des, des systèmes gérés par le gouvernement aussi? Tu as le système du gouvernement? En ligne. En ligne, ben oui. Je ne même pas ça. Puis tu as, le, as, as, as les casinos. Ah ben ouais, la majorité des du cas, ce n'est pas, pas le gouvernement. Là. Non, ce pas le gouvernement. A, le, le gouvernement l'offre. Mm. Mais ce qui dérange c'est ça mon point là. ce qui dérange beaucoup le monde, c'est pas que le monde s'appauvrisse sur le web avec des casinos virtuels. Là. Ils s'en foutent de ça. Ça, ils sont, que des gens tombent dans misère financièrement avec des casinos virtuels. Là. Les gens qui écrivent là-dessus, ils s'encolissent. Ce qu'ils veulent pas, c'est que le 100 s'en aille dans les mains d'une compagnie Kanawaki. Et voilà. C'est ça qu'ils veulent pas. <laughs> ils, ils veulent que ça. le 100 finisse poche de l'État pour que les profs de l'Université Laval aient 30 d'augmentation de salaire. Ça a demandé 30 30 Oui. Ben, il y en a demandé 30. Pour moi, la il l'invente, là. On a, ça, ça a été dit un matin. Mais l'argent vient de quelque part. Donc, saigner un pauvre de 100$ par semaine pendant qu'il joue sur un casino virtuel, I don't fucking care. Ce que j'aime pas, c'est qu'il donne ça à une gang de Cannon Walkie. Là. Ça, c'est ça l'histoire. Ah. oui. T'sais, petite... nous autres, on a, nous autres, ce qui nous fait de la peine, c'est de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas le moyen qui vont brûler 100$ dans un casino euh, virtuel. C'est ça qui est triste. Mais ça, ce n'est pas leur point de vue en Une dernière pour finir dans le une, une dernière, c'est Couchetard. Grosse trade de Couchetard. Couchetard, c'est incroyable, pareil. là, là quelqu'un qui mettait… Mettons quelqu'un qui embarquait il y a cinq ans en Couchetard. Il y a cinq ans. Donc, il double son montant d'argent. Mmh. Capoté, pareil. Oh. Ça veut dire que euh, tu, mets, tu mets 1000 pièces en Couchetard, il y a cinq ans, tu as doublé ton montant d'argent. Je, je mets des dividendes là-dedans, le là, patente de cest dire c'est très, très bon. J'en fais partie… Oui, c'est un, un excellent placement. Couche-tard, c'est incroyable. C'est un joyau. C'est un. Moi, j'ai toujours déconseillé aux gens d'embarquer dans des patentes québécoises en bourse, trop brûlées souvent. Mais couche-tard, c'est une autre game. Ah ouais. Une autre game. Oui, c'est une game mondiale. C'est pas une patente là, de compagnie québécoise douteuse qui a une idée de bouffer du gaz carbonique et hum. qu'ils ont des acheteurs en Inde. Là. Ça, c'est des affaires concrètes. Il y a des vrais. Des vrais bâtisses avec des tanks de gaz. Mais la grosse, euh, la grosse business de Couchetard n'est pas au Québec, là, j'imagine. Tu sais, avec non, non. Circle K et tout ça. Plus, plus maintenant. Plus maintenant, Mais plus maintenant. Bon. C'est 1 600 stations-service qui achètent. La majorité, c'est 1200, je pense, qui sont en Allemagne. Oh oui. Donc, euh, ah, les Allemands, Volkswagen électrique, les Allemands vont acheter du gaz pareil. Si Couchetard oui. investit 4,5 milliards dans des dans des stations-service. C'est drôle de voir les articles du Québec euh, comme de quoi. On dirait que Couchetard achète achète des livres de beurre. Oui, Couche-Tard achète, autrement dit, une compagnie multi-énergie dans, dans la fourniture de production énergétique. Mais non, c'est du gaz. Dis-les. Dis-les. Mais oui, ça va capable. Couchtard achète, tout simplement, de la gasoline, du fioul. C'est ça qu'il achète, Couche-Tard? C'est tout. Il, ben oui. Une place pour aller tanker ton char. Du diesel. dites le Dis-les. Ils achètent des compagnies à 4,5 milliards pour vendre du pétrole, oui. du diesel, du gaz naturel. Ouais, dites les dites les ça fait pas mal là. Ouais, go to go go go. Total Énergie ne vend pas de panneaux solaires. Puis Total Énergie, c'est un conglomérat. Ils sont dans le panneau solaire, ils sont dans la, plein d'affaires d'énergie. Mais Couche-Tard, il achète, il achète le dépanneur puis le gaz bar. C'est ça, c'est oui. ça qu'achète Couche-Tard. Hum. couche ils vendent des muffins. Ils vendent, ils, ils, vendent des, des... Ils, ils vendent, des, bières, ils vendent du lait, ils vendent des, euh, ils vendent toutes sortes d'affaires. Ils vendent des slots. Ils vendent des slots. Mais 70 du chiffre d'affaires de couchetard, c'est pas ça. Là. Les salauds vendent du pétrole. Là. Oui! Ils sont de chez nous. Là. On a des Québécois mmh. qui sont en train de réchauffer la planète. Es-tu capable d'imaginer ça? On a une méga compagnie québécoise partie avec un dépanneur, M. Bouchard, etc. Mmh. Ces maudits salauds-là vendent du pétrole à grandeur de la planète. Maudits gang de pas up gang de… Az... Le climat va être fucké à cause de Couche-Tard. <laughs> hey, J'achète des actions après-midi. Ben oui. Ben, Imaginez-vous, je veux dire, la SAQ va enlever les, euh, les, les… La SAQ va enlever les frigidaires dans les SAQ pour le, le, le vin blanc et le vin rosé. Et la raison, mm -hmm. ce serait, c'est ce qu'ils disent… C'est pour sauver la planète. C'est qu'on ne veut plus émettre de GES. C'est de la merde, là. Pendant ce temps-là, à côté de la SAQ, t'as une des plus grosses compagnies mondiales de dépanneurs qui nous appartient. Bon, on est-tu on est, on est est fiers, hein? <laughs> On est fiers! Couche-tard, c'est chez nous! Puis M. Bouchard, on est fiers! Des petits, petits friges d'air à côté de ce que Couchetard fait, là, d'après moi. <laughs> oui, <'est> ça. Ils <laughs> vendent du gaz, aux autres, c'est l'enfer. Partout ça boule! Et on verra au coin de la rue chez nous où je suis en ce moment. Un Circle K. Il doit avoir à peu près. Ben, C'est gros comme un Wawa, donc il doit avoir à peu près une vingtaine de tanks. Là. Oh oui. Il y en a une vingtaine. C'est tout le temps plein de monde. Ça met du garde. Grand... <laughs> C'est flambant neuf. Flambant. D'après moi, ils ne pensent pas que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de gaz. À voir ce qu'ils bâtissent là, là. d'après oh. moi, ils vont en vendre encore longtemps. Euh... Si tu bon, achètes. En fait, ça fait bourré, Si tu tard il y a 20 ans, je te l'ai dit pour 5 ans. Il y a 5 ans. Ben, ça, tu, fois, tu fais fois deux, OK? Ton montant d'argent, c'est fois deux. Mais 20 ans, si tu mettais 1000 ça vaut 50 000. Ah! T'aurais pas oui. pu me dire ça pour le 20 ans, Joey? Oui, c'était en 2000. Oh, libre. 2003-2023. 20, 20 ans, 1000, ça vaut 50 000. Ça vaut 50 000. dis tout le temps ça, après. Ben là, j'ai ça, là. Je vous le dis, là. là. C'est payant, le pétrole. Mais... C'est payant. C'est un blue chip. C'est un blue chip canadien, le oui, mais commencez à vendre vos actions parce que le pétrole s'envole. Oui, fini. n'importe quoi. On lance le week-end avec l'aubergiste. Après, on a un vin vert pour la Saint Patrick. Un vin au vert, excusez, au vert. L'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Yes, l'aubergiste présenté par... Présenté par Canadian Club. Oui, yes. c'est... Regarde, Vous cherchez.. Vous cherchez un bon whisky canadien. Canadian Club, vous allez euh, vous allez triper. Le Canadian Club, 12 ans. Donc, euh, le prix, on va dire. Canadian Club, c'est très grande qualité, prix abordable. Le 12 ans, il est fantastique. Et si vous le prenez pur, une petite glace, c'est le fun. Mais si vous le prenez avec, qu'est-ce qu'on on peut, on peut prendre avec oui. un petit ginger ale. Oh. Un petit ginger ale, c'est parfait. Ben oui, Donc, ça fait un job. Canadian Club. Ginger ale citron. Ginger ale citron, vous allez, vous allez adorer ça. Donc, Canadian Club qui présente l'aubergiste on s'en va on voyage un peu on, on, on se promène la face c'est que euh, dans les dernières semaines j'ai on a parlé des fois d une, d une, des bouteilles j'ai parlé d'une bouteille qui valait quasiment 75 les quinze commence à être beaucoup de beaucoup d'argent mais de temps en temps j'aime ça euh, varier et là je m'en vais dans un vin un vin pas cher parce que la SEQ, ils ont, on va le dire on va le dire ils ont, ils ont pas mal de vins pas chers ben, ils ont moins qu'avant il en reste encore. Mais si, C'est des bouteilles qui valaient peut-être. Il y a des bouteilles on un moment donné qui ont jumpé beaucoup. Ils ont passé, passé de 15$, à 16$. Ils sont rendus à 20. 21, ça fait de même. Là, mais il y a des bouteilles justement qui étaient à 12,50$, qui sont rendues à 13$. Les plus petites hausses. Mais il y a du vin. J'en ai goûté pas mal de vin, là. Euh, <laughs> Fiston achète du vin. Et des fois, ben, ils disent, ah, j'ai acheté telle bouteille, veux-tu goûter à ça, telle affaire, telle affaire. Je goûte à plein d'affaires, plein, plein, plein plein de choses. Mais il y a, il y a une bouteille pas chère, il y en a quelques-unes, quelques-unes mais espagnoles. Là. là, je voulais faire changement un peu. Il y a une bouteille pas chère qui, que moi, je, vois, je reviens de temps en temps. Ça, c'est sûr. C'est le Carrelot des amants. Le Carrelot des amants. Donc, on s'en va en France, donc Bordeaux. OK? Mais on ne reste pas à Bordeaux. On arrive à Bordeaux, on parle dans le char. Direction sud, on fait quoi, à peu près 150 kilomètres, à peu près. Et là, on coupe vers l'est un peu. Et là, on l'arrive, on l'arrive, ben c'est vrai, on a, on a un pirate qui demeure dans le coin de Bayonne, donc dans le sud-ouest de la France. Le sud-ouest de la France, quelle place incroyable. Quelle place. Le sud-ouest, là, c'est vraiment particulier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le, quand tu te promènes en char, là, moi, je vous en parle, puis je ne suis jamais allé. Là. Mais, mais la fin, c'est que je, je, lis, je lis tellement de choses. Moi, je suis un, un fan du Sud-Ouest. Pour les vins, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les vins. Euh, mais c'est pour la, la place qui est particulière. Parce que les villages, quand tu fais, il y a beaucoup de villages, près de la moitié des plus beaux villages de France sont dans le Sud-Ouest. La raison, c'est que ils ont à l'époque médiévale, il y avait les fameuses bastides. C'est quoi une bastide? C'est des petites villes. Dans le temps, c'était des petites villes qui étaient protégées. Et au centre de la petite ville, c'est des petites villes qui ont été bâties au Moyen Âge. Puis dans le centre de ces petites villes-là, il y a une place centrale. Donc, place, il y a comme une place à l'intérieur. Et là, les gens se rassemblaient là. C'est un modèle euh, médiéval qui a été repris un peu partout. Imaginez, dans, je, dans le sud-ouest français, il y a 400 bastides. C'est des petits villages très coquins. Et tu arrives là, c'est de toute beauté. C'est incroyable, ces beaux petits villages-là. Donc, le sud-ouest, c'est vraiment, vraiment spécial comme place. Vraiment, c'est une place un peu à part de la, de, en, en France. Et là-bas, ben, il y a plusieurs régions de vin hein, dans le sud-ouest. Mais il y, a, il y a une petite région, une petite appellation. Mini qui s'appelle le Brûlois. Brûlois, vraiment une petite appellation. Là. Du Brûlois, c'est euh, un des vins les plus connus du Brûlois, c'est le fameux vin noir. Le ouais. vin noir, hein, c'est spécial, le vin noir. Pourquoi on l'appelle le vin noir? Parce que c'est un vin qui est très, très, justement, qui est très foncé. Et le vin noir, il est disponible à la SAQ. Euh, la c'est quand il arrive des bouteilles, en dedans d'une semaine ou deux, ils disparaissent le monde connaît très bien le vin noir mais est très recherché puis pourtant c'est une bouteille à 19 pièces c'est là la twist du brûlois. parce que le brûlois fait des vins on va le dire avec une charpentée, mais à des prix abordables en France quand tu dis ah un vin du brûlois c'est comme un vin c'est comme un vin c'est comme un vin pas cher c'est le brûlois, c'est pas cher c'est pas cher mais il y a en fond du super bon super bon donc il y a, la coopérative qui fait le vin noir, qui s'appelle Vin Noir, cette coopérative-là fait d'autres vins. Il y en a un autre, mais c'est le Carrelo des Amants. Ils en font plusieurs autres, mais le Carrelo des Amants, des, des, des amants c'est un brand qui a été lancé en 1998. Il est sur le marché depuis 1998, parce que c'est une coopérative qui a lancé ça. C'est une gang de gars ensemble, là, les gars de filles sont ensemble. Eux autres, ils prennent une, leur production de raisin, mais il y a une partie de leur production, ils mettent ça dans le même pot, puis ils font du vin avec. T'sais. Ils, t'sais, ils font comme une, Ils s'entraident. Il faut s'entraider dans la vie. Donc, eux autres, ils ont sorti 198 et c'est un succès depuis 1998 qui est sur le marché. Tu te dis, à un moment donné, il va débarquer. Il ne débarque pas. Pourquoi? Pas cher et bon. C'est pour ça qu'ils t'offrent. C'est aussi simple que ça. Mais dans le Carrelo des Amants, c'est là que je m'en viens avec une histoire. Bien, l'histoire. C'est l'histoire du Sud-Ouest. C'est le raisin, le fameux Tana. Du Tana. Le Tana, c'est. Il est reconnu à deux places dans le monde. Le Sud-Ouest de la France, bien, est son, il, il est originaire du Sud-Ouest de la France. C'est un gros raisin foncé avec des grappes toutes collées. C'est vraiment une grappe pesante, toute serrée, serrée, vraiment spéciale comme grappe de raisin. C'est là et l'autre place, tant en Uruguay. En espagnol, on dit Uruguay, mais l'Uruguay en Amérique du Sud. Mais pourquoi que le tana est là-bas? Parce que, dans les années 1800, il y a un basque, un basque français, il est parti rester là-bas et il a amené du tana avec lui. L'Uruguay, c'est des fans finis. Il y a des bons vins en Uruguay. C'est des fans, Jeff. Fini de tana. Ils font même beaucoup de tana à 100%. Donc, la bouteille, là il y a un jus, c'est le tana. Mais ça prend du doigté parce que c'est du vin qui est très racé puissant en alcool. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas avoir du vin à haut de 16%. T'sais, à un moment donné, c'est wow, OK, retiens euh, le cheval un peu. là t'sais. Mais quand tu fais du 100% tana, ça prend un doigté incroyable. Mais le Caralo des Amants, il y a du tana mais ils ont mis du merlot dedans. Donc avec du merlot, ça va y mettre un peu plus de douceur, un peu plus d'élégance. Donc, c'est un mélange de quatre cépages. Merlot, ben c'est tannant en premier. Merlot, cab franc, un peu de cabernet franc, un peu de cabernet saut, ce vignon. Un, un, Une bouteille à 13 et 10. 2,6 grammes de sucre, je m'excuse, là, on, on, on regarde ça de même. Là. Rouge profond, on lit sa confiture, un peu de cassis. Un petit côté pain grillé qui est vraiment le fun. C'est un vin, oui, qui est tannique. Puis il y a du tana, donc il y a un vin qui est, oui, il est tannique. Mais ça, là, je vous le dis, là. On, on, on se fait tu un repas pas cher, une bouteille de carolo des amants, OK? Puis on se fait des grilled cheese. Hein? Boum. Hein? Grill cheese. Du Des f... vrais, de vrais grilled cheese de luxe. Là, oui, les, oui le, le grill cheese de luxe, okay. là, tu, tu, un vrai grill cheese. Pas une, pas une patente tout croche, là. Si tu le dans un bon grilled cheese, de ben oui. temps en temps, c'est Un vrai bon. de vrai, ou les un Bon pain. Ben, exactement, bon pain. Les Français vont dire. Bon un... Les Français vont dire un croque-monsieur. Ah oui, croque-monsieur. Oh oui, croque-monsieur. Ah oui. croque-monsieur. Il y a un maire qui va dire jambon-beurre. Jambon beurre Mais là, c'est jambon, mais jambon-beurre. Jambon-beurre dans un croissant. Mais c'est pas ça. Pas le... monsieur, monsieur, monsieur fâché. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est pas ah oui. le croissant qu'il faut prendre. Il faut, 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 faut pas prendre de croissant. Il faut se faire un vrai grilled cheese, comme tu dis, Jeff, avec un bon pain. Un bon fromage, un beau grill cheese, une petite salade avec ça, et tu sors un carrello. Je m'excuse, ça fait un repas pas cher. Mmh. Tu sors un carrelou des amants à 13 piastres, tu fais vraiment un beau tour. Et voilà. Est-ce que le week-end est lancé officiellement? Le week-end est lancé et mmh? pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Donc demain, c'est euh, demain la, la fête des Irlandais, on lance le week-end. Il y en a plusieurs qui vont profiter pour euh, fêter un peu demain. Donc, de la pluie dans le sud du Québec, euh, à partir de, de, de Trois-Rivières, en montant un peu plus de neige, 10 cm pour la région. Et en passant, Montréal, plus de taxes à venir, moins de poubelles ramassées et moins de neige ramassée également. Donc, payer plus et avoir moins. C'est la nouvelle devise, devise. du oui. Québec. <laughs> et plus d'Europe. Là-dessus, bon week-end part de l'aubergiste, de Jeff, de M. White, de Gilles Parent, de plein de monde. Bon week-end. On se reparle demain sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Thank you, boys. Merci à tout le monde. See ya tomorrow. A definite breakthrough step in home entertainment.